La vidéo que vous allez voir retrace mon aventure hardcore du jour 0 au jour 1000. Comme vous pouvez le voir, on a pu réaliser des trucs de fou depuis tout ce temps. Mais bref, des images valent mieux que 1000 mots, je vous laisse vous installer tranquillement et admirer comment j'ai réussi à survivre 1000 jours en hardcore sur Minecraft. Bon, qui dit nouvelle mise à jour dit nouvelle survie. Et qui dit nouvelle survie dit nouveau skin. Enfin non, c'était juste un prétexte pour changer de skin parce que l'ancien me faisait clairement chier, je vais pas vous mentir. Non mais regardez-moi juste ce nouveau skin, comme il est stylé, la petite licorne sur le t-shirt et la petite couronne de fleurs là. C'est stylé non? Non? Bon, là n'est pas le sujet. Comme vous pouvez le voir, on est en 1.18, mais what? Attendez, ah ouais, ok, bon, je pense que vous avez remarqué, on est en 1.18 et le paysage a un peu changé. Et je vous mens pas, j'ai hâte de découvrir cette nouvelle mise à jour. Bon, prenons un peu de bois, parce que franchement, c'est les basiques. Désolé madame les abeilles, j'ai commencé à détruire votre arbre, ne vous inquiétez pas, il y a la gravité. Je pense que vous l'avez spot comme moi, en arrière-plan, il y a un petit village, et ça fait plaisir, un petit village dès le début, parce que ça veut dire qu'on aura peut-être des ressources, genre comme du fer, ou même du diamant si on a de la chance. Attendez, non mais, vous voyez ce que je... What? Attends, quoi? C'est quoi ce monde? Il est cassé le monde là. Alors, il y a un pillager outpost, je sais pas comment le dire en français là-bas, et un village juste... Mais attendez, on est tellement bien. Attendez, il y a beaucoup trop de choses à découvrir. On va y aller au fur et à mesure. Et on va d'abord commencer par visiter le village parce que j'ai l'impression qu'on a un peu de boulot. Ah, je vois une maison juste là-bas. On va s'y rendre tout de suite. Qu'est-ce que ce coffre nous réserve? Ok, les pommes de terre. On va pouvoir faire des cultures de pommes de terre. Ça, ça fait plaisir. Attention, MLG Lee. Vais-je réussir? Attention! Oh là là, le talent! Je vous avais dit que j'allais réussir. Attention! Ah, bonjour monsieur le golem, pourquoi il boude? Ah, oh, j'aurais pas dû faire ça, à l'aide. Aidez-moi. Ah, oh, j'ai eu chaud. Attendez, quelqu'un m'explique pourquoi il y a de l'émeraude là-haut? Bon, ok, on fait comme si on n'avait rien vu. C'est bien beau de visiter des villages et faire le zoulou, mais moi j'ai d'autres projets un peu plus sérieux pour cette vidéo. Alors cette vidéo va se construire en deux étapes. Premièrement, il va falloir que je me fasse une petite base de départ. Et deuxième étape, vu qu'on est en hardcore, j'ai envie de faire une petite farm à totem. Je vais vous montrer comment on va faire ça. Bon, la nuit est en train de tomber, le ciel est quand même magnifique. Bon, est-ce que tu peux arrêter de cramer quand je parle, s'il te plaît, monsieur le zombie? Voilà, on va les miner pendant qu'il fait nuit. Let's go! Ça va être quelque chose, hein. J'ai vraiment pas envie de mourir la première nuit. Bon, le jour se lève et je pense que je vais commencer à m'installer. Et proche du village, j'ai trouvé ce petit trou qui, franchement, m'intrigue vraiment pas mal. Et j'ai vraiment envie d'en faire ma base. Alors, vous allez me poser la question et vous allez me dire « Ouais, mais Victor, comment tu vas t'en sortir ?» Eh ben, je vous mens pas que je sais pas trop. En vrai, je pense que je vais faire un dôme de glace. En vrai, on peut essayer. On peut essayer de s'installer là-dedans. Et si j'y arrive pas, bah, je m'installerai à un autre endroit. Mais d'abord, si on veut s'installer, on va essayer de rendre cet endroit viable. Donc, on va essayer d'enlever tous les pics, bah, pour éviter tout simplement que je m'empale dans ce genre de choses, quoi. Donc, attention, je vais essayer de faire une transition. Au début, ça ressemble à ça. Et ensuite, dès qu'on a tout enlevé, ça ressemble à ça. Voilà, donc j'ai mis un peu de torches pour éclairer et pour éviter qu'il y ait des mobs qui spawnent. Ah, je crois que j'ai oublié un pic ici, attendez. Je pense qu'il est aussi important de remonter de façon élégante, donc on va peut-être essayer de faire un petit escalier en bois sympathique, sympatoche, pour pouvoir remonter tranquillement. Bon, voilà comment j'imaginais l'escalier. Je pense qu'il est assez réussi. On va l'emprunter pour que vous voyez un peu plus précisément en quoi ça consiste. Franchement, je trouve plutôt pas mal. Je l'ai fait avec des escaliers. Et voyons d'en bas ce que ça donne. Ouais, je le trouve plutôt pas mal. Ils se font assez dans le décor, et de toute façon, on va quand même améliorer cet endroit. Mais pour le moment, c'est pas ce qui nous inquiète. Pour le moment, on va essayer d'améliorer un peu notre stuff. Bon les gars, le résultat de ma session de minage se résume à un pauvre plastron en fer et des jambes en fer. Ouais, je sais, on a déjà vu mieux, mais bon, c'est déjà me craint. Ah bah en fait, j'avais pas remarqué que j'avais assez de fer pour faire des jambières. Enfin, des bottes. Voilà, on est bien là. Maintenant, on va s'attaquer à la construction de la mini farm à totem. Bon les gars, je suis en train de miner un peu de bois pour faire ma farm à totem. Voilà, il y a mon arbre qui tombe. Regardez-moi ça, il y a un arbre handicapé. Let's go. Oh, le dégradé au space 12. Bon, je vais effectuer ma farm à raid juste ici. Parce que là-bas, il y a le tour à pillagers. Donc du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir prendre la malédiction, je sais pas comment elle s'appelle, et la ramener ici jusqu'à des villageois. Et en fait, vu que Minecraft va considérer ces villageois comme un village, et bah ça va lancer un raid. Et en fait, je vais construire un sort de système qui va faire en sorte que tous les mobs du raid tombent dedans et que je puisse récupérer leur loot. Donc c'est-à-dire des émeraudes, des totems, des armes, etc. Vous allez voir, c'est vraiment surcheaté.
Bon, normalement j'ai fini la ferme. Maintenant je vais aller tuer les pillagers pour avoir la malédiction et voir si ma farm fonctionne enfin. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, voilà, maintenant qu'on a la malédiction exivolontaire, on peut aller utiliser notre farm à raid. Et quand on se rapproche de la farm, regardez, une invasion commence et on peut aller se cacher pour aller récupérer les mobs qui vont tomber. Je vais finir ce raid et on verra ensemble à la fin tout ce que j'aurais pu réussir à collecter de ce raid. Et voilà les gars, le raid est terminé, nous sommes héros du village et on a fait plusieurs tours. Attention, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné 4 totems d'immortalité, beaucoup d'arbalètes, des haches en fer, des émeraudes, des sels. Franchement, on va pas se mentir, on s'est vraiment mis Gucci. Les gars, dites-moi dans les commentaires si vous pensiez que j'allais avoir un totem aussitôt dans l'aventure. Moi, je pensais vraiment pas et je vous mens pas, cette farm est vraiment cheatée. Regardez. Qu'est-ce que tu veux mon ref? On est trop puissant, personne peut nous affronter maintenant. Bon, maintenant, petite session minage, parce qu'on a besoin d'un peu plus de diamants que ce qu'on a trouvé. Résultat des courses, qu'un seul pauvre diamant pour une pauvre pioche en diamant. Mais c'est pas grave, ça devrait faire l'affaire pour le moment. Mais en attendant, minons avec cette magnifique pioche une vingtaine d'obsidiennes qu'on aura besoin un peu plus tard. Allez, maintenant, faisons une petite amélioration autour de l'entrée de ma base parce que, on va pas se mentir, c'est pas très beau. Bon, voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez agréable à l'œil. J'ai essayé de faire une bordure un peu dégradée avec certains blocs que j'ai récupérés. Et ouais, je trouve que ça rend bien. Je pense que je pourrais encore l'améliorer, mais je trouve que ça rend bien. C'est un peu aléatoire. Ça peut être une génération naturelle et franchement, j'apprécie plutôt pas mal. Et franchement, de nuit, vu d'en haut d'une colline, je trouve que franchement, ça a quelque chose. Hein. Ça a quelque chose d'accueillant, c'est vraiment intriguant. On dirait vraiment une ouverture dans la terre, tout simplement, et c'est... Et en plus, ça rend l'endroit vachement chaleureux, c'est vraiment sympa. Ricardo, allez viens Ricardo, j'ai quelque chose à te proposer, j'ai un petit métier à te proposer là, viens voir. Allez, fais pas le timide mon ref, viens. Allez, viens ici Ricardo, j'ai plein de V-Bucks à la maison. Viens, n'aie pas peur. Vas-y, tu peux le faire. Allez, encore un petit effort, par contre, ne tombe pas. S'il te plaît, je t'en conjure, ok? Chut, doucement, tu ne tombes pas, Ricardo, je te fais confiance, ok? Mais c'est qui va tomber, hein? Allez, viens vite, au lieu de faire tes conneries là, non. Eh, vas-y. Eh. Toi, allez hop. Allez hop. Allez, rentre dans le trou. Allez. Non, mais Ricard. Oh, punaise. Oh, je vais le baffer. Tu peux le faire. Tu es capable d'accomplir de grandes choses. Tu es capable. Il est content. Regardez, il danse. Attention, est-ce que t'as des choses intéressantes comme par exemple le livre Raccommodage à me proposer? Attention. Mais tu te fous de ma gueule, Ricardo? Non. Alors non. Viens, commence pas à les miner là, tu forces mon ref. Ah bah voilà, ça fait plus malin maintenant hein. Hé, tu avais pas vu venir celui-là. Mais t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de toi et ton géant nez là. Ah bah voilà. Là on est bien, n'est-ce pas? Regarde, t'as ta petite cabane, t'es tout bien. Je vais même te mettre des vitres, écoute, tu le mérites. Hop là. Hé, on est pas bien là? Oh, ça y est. Ça y est Ricardo, ça y est, t'as raccommodage. Par contre, regarde-moi quand je te parle. Et bon, Dodo, t'as été un bon villageois, je vais pouvoir te libérer. Est-ce que t'es content? Attends, je répète la question. Est-ce que t'es content? Bon bah voilà, j'espère que tu vas pas trop t'ennuyer. Par contre, avant que ton trait disparaisse, on va s'échanger quelques petits papiers, parce que je sais qu'à n'importe quel moment, t'es prêt à me la mettre à l'envers. Voilà, maintenant on est meilleur ami pour la vie, Ricardo, let's go. Vas-y, viens, on prend une petite photo. Est-ce qu'on serait pas BG comme ça? Est-ce qu'on serait pas BG comme ça, Ricardo? Bon, allez, on va faire une petite farm à canne à sucre temporaire sur cette surface que je viens juste de nettoyer. Parce que, en fait, on va en avoir vraiment beaucoup besoin pour les trades et pour plein d'autres choses. Donc, du coup, bah voilà, c'est parti. Attention, 3, 2, 1. Tadam! Et voilà, bon, bah elle est pas trop remplie parce que j'ai déjà gaspillé pas mal de canne à sucre. Mais vous inquiétez pas, qu'au final, elle sera vachement rentable. Ok, par contre, j'espère qu'il est pas asthmatique là parce que il va s'essouffler à force de faire ça. Hein. Ah oui, je me suis aussi rendu compte que en fait pour miner les diamants en 1.18 et bah c'était la couche moins 63 et en fait je vous l'ai pas dit mais je suis en train de miner en couche 0 donc c'est pour ça que je trouvais quasiment aucun diamant. Donc on va bien évidemment s'empresser d'aller faire quelques petites modifications dans la mine.
Ah bah voilà, là ça marche quand même mieux en couche moins 56. Et comme vous pouvez le voir, ouais, il y a 9 blocs de diamant et franchement on a été vraiment chanceux. Et vous allez me dire, ouais mais Victor, empresse-toi de miner tout ça parce que franchement, ça vaut le coup. Mais vous inquiétez pas les gars, on va faire quelque chose de plus intelligent. On va revenir avec Fortune 3 et on va récolter tous ces diamants pour pouvoir se faire une armure complète en diamant. Oh mais c'est quoi ce spawn dans le nez? Oh il est... Mais attendez, en fait non, il est bien et nul. C'est le pire et le meilleur spawn à la fois. Je sais pas où aller. À l'aide, aidez-moi s'il vous plaît les gars. Vous pensez que ça passe si je saute ou pas? Au pire j'ai un totem, mais vas-y ça me ferait chier de perdre un totem. Bon bah, je crois que j'ai eu ma réponse. Ok, ça marche. au moins je suis arrivé dans le nether, sain et sauf. Je vais remettre un... Par contre, heureusement que j'avais un totem, hein. Je pense qu'il est premièrement important de sécuriser cet endroit parce que je sens que si je tombe, c'est fini pour moi. Oh putain! Ah! À l'aide! Ouais, il m'aime pas. Ok. Et j'ai eu chaud, hein, mais c'est dangereux! Ok, bon, je pense que c'est un peu plus sécurisé comme ça. Je sais pas si vous arrivez à bien voir, mais ouais, je me sens un peu plus en sécurité comme ça. Bon, c'est pas tout, mais moi, mon objectif premier en venant dans le nether, c'est d'être level 30. Let's go! Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Par contre, je viens d'utiliser 2 totems d'immortalité dans le nether, donc il va falloir que j'aille en récupérer à la farm à totems parce que je vous mens pas, j'en ai plus aucun. Let's go! Et voilà les gars, j'ai enfin réussi à faire ma pioche Fortune 3. Et je vous mens pas que c'était un calvaire. Je vais donc miner ces diamants et les rapporter à la maison, mais il va falloir faire attention parce que ma pioche est vraiment faible. Donc on surveille la vie de la pioche de très très près. Et on va logiquement pouvoir se mettre notre petite armure en diamant. Ah, mais on est BG comme ça, non? N'est-ce pas? Et on va pouvoir enfin avoir notre livre raccommodage. J'ai eu mes 31 émeraudes. Let's go, on a raccommodage. Bon, c'est bien. On a une armure en diamant. Mais le problème, c'est qu'on veut battre l'Ender Dragon. Et pour ça, bah, va falloir un meilleur stuff. Il faut bien évidemment d'abord que j'améliore mes outils. Et aussi que j'améliore mon armure. Parce que dans l'End, ça va barder. Et d'autant plus qu'on est en hardcore. Notre séance de minage s'est plutôt bien passée. Parce qu'on est ressorti avec 20 diamants. Ce qui nous a permis de faire un set complet d'outils en diamant. Avec un reste de 12 autres diamants. Bon, ça y est, les gars. On est prêt. Il me semble n'avoir rien oublié. Et ça y est, on va aller le battre, ce fichu Ender Dragon. Que le voyage commence. Les gars, on est littéralement à, allez, 200 blocs à tout casser de ma base. Regardez où l'œil va. Oh, on est tellement bien par contre. Moi, je m'attendais à faire un voyage de 1000 blocs, de passer dans des déserts, des océans, mais non, en fait. On est là. Oh, punaise. Ouh là là. Wow. Eh, ça va me faire, là, ça. Wow. Faut doser. J'étais accueilli assez brusquement, je vous mens pas, je pensais pas être accueilli aussi énergétiquement. Les gars, la salle du portail se retrouve juste, dites-vous, là c'est la montagne où on a commencé. C'est la montagne où on a spawné. Mais attends, mais c'est quoi ce site de fou? Oh là là, mais c'est incroyable! Ah bah de toute façon, j'ai pas assez d'Ender Pearl, donc va falloir qu'on fasse un petit road trip dans le Nether. Les gars, je faisais le tour du Stronghold. Regardez le livre que j'ai trouvé, Solidité 3 Raccommodage. C'est exactement le livre qu'il me faudra pour les Elytras. Regardez, en plus il y a des puissances 4 tirs multiples. Ça y est les gars, on a les Ender Pearl qu'il nous faut et on peut aller enfin battre cet Ender Dragon. C'est parti!
Mais qu'est-ce que c'est beau de battre un Ender Dragon. Attention, ça va nous donner combien d'XP tout ça? Ok, 37 XP, pas mal. Maintenant, récupérons l'œuf de dragon. Où est-il, monsieur l'œuf de dragon? Eh, merci le sang! Oh là là, on a l'œuf de l'Ender Dragon! Là, on est vraiment, vraiment, vraiment bien. Bon, maintenant, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Chercher les Elytras. Attention. Bon, a priori, il n'y a pas d'Ender City à l'horizon. Bon, on va voyager un peu pour voir si on en trouve. J'ai augmenté ma render distance à 32 chunks. Regardez, on voit plein d'îles, mais dessus, il n'y a aucune forteresse de l'Ender. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais bien galérer à trouver ces Elytras. Oh yes, enfin! Let's go! Y'a un bateau ou pas? Oui, c'est un bateau! Let's go! On y est, les gars! On a les Elytras! Bon, maintenant, faut juste que je survive. Parce que si je meurs, c'est la merde. Attention, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le coffre? Ok, je sais pas comment je suis censé prendre ce coffre, mais vas-y, on est là, on est présent. Par contre, j'espère vraiment que je vais pouvoir me rattraper avec le bateau. C'est la seule fois où vous pouvez me soulever et je dirai rien, c'est bon? Et on va bridge jusqu'au... Il y a même peut-être pas besoin. Oh là là, ce professionnalisme. Wow, ouf. Par contre, plus de réflexes, non? Et allez, donne-moi une shulker, toi aussi. Parfait, comme ça j'en ai 6 et je vais pouvoir faire des shulker box. S'il te plaît, dieu de l'Elytra, donne-moi du bon loot. Attention, un casque en diamant parce que le mien est en train de se casser. Attention. Bon, j'ai demandé un casque, pas un casque en fer, un casque en diamant. Ok, l'épée recul 2 ne sert clairement à rien. Et les bottes en... Ouais, les bottes en diamant, je vais les prendre, ça va. C'est déjà mieux que rien, on va pas se mentir. Ouh, petit plastron protection 3. Mon plastron est déjà protection 3. Bon, après, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir les fusionner ensemble. Ce qui fera un plastron protection 4, il me semble. Et maintenant, c'est le moment crucial de prendre les Elytras. 3, 2, 1... Ok. Ah, merde. J'ai pas de place dans mon inventaire, c'est vrai, j'avais oublié. Let's go, on a les Elytras, attention. Ah là 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 là, regardez-moi ce flow. Regardez-moi ce dos musclé là, avec les ailes volantes là. Pff. Et bien sûr, on n'oublie pas la tête de dragon. Là, on a un drip maxima. Regardez, j'ouvre la bouche. On est vraiment BG comme ça. Et maintenant, on rentre à la maison Elytra. Let's go. Par contre, j'espère que je vais pas tomber dans le vide. Parce que, en plus, le pire, c'est que j'ai pas de feu d'artifice. L'air sur mon visage là, ça fait du bien, je vais pas vous mentir. Attention, on va rentrer à la maison dans 3, 2, 1. Et voilà, on a fini Minecraft. Let's go. Ah, bah, on est quand même mieux chez soi. Et en plus, il fait nuit. On a mérité une bonne petite nuit de repos. Alors, premièrement, mes solidités 3, raccommodage sur mes Elytra. C'est franchement la base. On craft ensuite 3 shulker box qu'on va bien évidemment garder dans son inventaire parce que franchement c'est assez important. Bon, par contre, je pense qu'il est assez urgent de faire une farm à creeper parce que comme vous pouvez le voir, j'ai que 5 poudres à canon et ça va vraiment pas suffire pour des fusées. Bon, maintenant on va construire la farm à creeper, mais avant toute chose, j'ai vraiment vraiment beaucoup de matériaux à récupérer. Et voilà mes shulker box de stuff. Elles m'ont pris beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, mais j'ai réussi et franchement je suis fier. Et j'ai même trouvé un endroit où je vais pouvoir construire ma farm à creeper. Bon voilà, nous y sommes. On est à l'endroit où je vais pouvoir construire ma farm à creeper. Bah du coup je sais pas ce qu'on attend. C'est parti! Et bien évidemment, on va s'empresser d'aller voir combien elle a produit. Donc, il me semble que j'ai AFK aller. Je dirais une petite demi-heure, 3/4 grand max. J'espère qu'elle a vraiment pas mal produit. Attention. Ok. Franchement, c'est vraiment pas dégueu. Ce qu'on va s'empresser de faire, c'est qu'on va s'empresser de mettre les poudres à canon dans les shulker box. Ok, donc tout ça, ça nous a permis d'avoir une shulker box ennemie. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher un désert. Parce qu'on a besoin d'aller miner dans le nether pour aller chercher de la netherite. Alors, on va aller par là-bas. Ça va complètement à l'opposé de ma base. Mais bon, je sais pas pourquoi, ça m'inspire confiance. Déjà, la montée. Est énorme ici. Énorme! Et les gars, franchement, on va pas se mentir, la mise à jour 1.18 c'est quand même vachement stylé. Hein. Bon, j'ai trouvé ça. Pour l'instant, ça devrait faire l'affaire, mais je pense que pour la suite, ça va pas être assez. Donc, du coup, on trouvera un autre désert de sable. Mais pour le moment, on va bien évidemment se contenter de ça.
Bon, les gars, j'avais pas trop prévu le coup, mais comme vous pouvez le voir, ma pelle est en train de littéralement se casser. Donc je pense qu'on va arrêter là, et j'espère vraiment qu'on aura assez de sable, parce que je peux plus rien faire avec ma pioche, sinon elle va casser. Et franchement, ça me ferait chier de refaire une autre pelle en diamant, efficacité 4 et fortune 3, donc on va arrêter là, et on va tout simplement attendre d'avoir raccommodage dessus pour la réparer. Bon, voilà, j'ai que ça comme sable, et de toute façon, il me semble que j'en ai encore à la maison, et si vraiment c'est nécessaire, j'irai chercher un peu de sable autour de ma base, pour espérer avoir assez de TNT pour pouvoir faire un stuff entier en netherite. Et je sais plus si je vous l'ai montré dans l'épisode précédent, mais regardez, j'ai mis un portail du nether qui relie très très rapidement ma base à la farm à creeper. Regardez, on a juste à voler par là-bas, regardez, quelques secondes, et regardez, on arrive directement à mon portail du nether. N'est-ce pas incroyable? Ok, il y a le piglin qui veut essayer de me faire ma peau. Attention, 360. Attention. Ouais, ok les gars, ça suffit clairement pas, j'ai déjà utilisé tout mon sable, il me reste encore une boîte de shulker entière de poudre à canon. Et regardez ce que j'ai fait comme TNT, c'est vraiment pas assez, donc va falloir que je répare ma pelle à diamant pour pouvoir récupérer assez de sable pour pouvoir faire toutes mes TNT. Oh, j'étais en train de chercher un désert autour de ma base, mais regardez ce qu'il y a, un village. Bon, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va récupérer toutes les bottes de paille de ce village, parce que j'ai pas encore fait de format bouffe dans ma survie, et franchement, je vous mens pas, j'ai la flemme. Yeah. Ah, en plus, c'est une cabane de forgeron. J'espère qu'il a du diams dans son coffre. Attention. Oh, quel fumier. Il a que l'obsidienne. Bon, il a un peu de lingots de fer. Ouh, une armure en diamant pour cheval. Ça, c'est stylé. Bon, ça va, tu nous as semi-régalé, mon pote. Mais, attendez, mais il y a vraiment deux villages côte à côte, là? Bon, ok. Cette seed est vraiment cassée, les gars. Depuis le début, cette seed est complètement cassée. Et pour tous ceux qui me demandent, ouais, Victor, est-ce que tu pourrais me passer la seed? Ne vous inquiétez pas, maintenant, je l'ai mise dans la description. Donc, vous avez juste à cliquer sur la description et vous l'aurez. Bon, bah, du coup, même process, on va carotter toutes les bottes de paille pour se nourrir. Oh là 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 là, mais en plus regardez à côté du village, il y a quoi? Et bah il y a une grande étendue de sable et on va pouvoir tout prendre pour pouvoir enfin faire nos TNT. Bah du coup je sais pas ce qu'on attend, au boulot. Bon, je pense qu'on a assez cassé le paysage, on a assez de sable comme ça. Je pense que là, cette fois-ci, on devrait être good pour toutes les TNT qu'on a envie de faire. Il me reste encore de la poudre à canon et j'ai plus de sable. Let's go! Bon, après tout, on a quand même un peu plus de 6 stacks de TNT et je pense que ça devrait suffire pour pouvoir espérer se faire au moins une full armure en netherite. Et bah écoutez, c'est parti, allons dans le nether pour faire exploser tout ça. Bon, comme vous pouvez le voir, en minant, j'ai déjà trouvé 5 anciens débris et c'est vraiment pas mal. J'ai installé, allez, je dirais 3 stacks de TNT et maintenant, on va procéder à l'explosion. La chose la plus satisfaisante, attention! Bon, voilà, on s'en est sorti avec 43 débris antiques, et je vous mens pas, c'est quand même un peu plus que ce qu'il nous faut. Et regardez ce que j'ai pu en plus récupérer comme or dans le nether. On va pouvoir donc en utiliser pour faire d'autres pommes dorées. Regardez, on a un demi-stack de pommes dorées, et je pense que ça devrait faire l'affaire. Bon, comme vous pouvez le voir, ça nous fait 10 lingots de netherite, et 3 autres fragments de netherite. Mais sachant que j'ai 8 pièces à améliorer, et bah j'aurai 2 autres lingots de netherite que je ne saurais pas quoi faire. Mais bon, c'est pas grave, on va les garder de côté, parce que je pense que je vais avoir le projet de faire un beacon en netherite. Et ça va prendre du temps. Bon, maintenant, upgrade en tout en netherite. Ah bah voilà, là je me sens quand même un peu plus protégé. Mais comme vous pouvez le voir, je n'ai pas tous les enchantements au max, donc du coup il va falloir qu'on max notre armure. Bon, pour enchanter nos armures à level max, on aura bien évidemment besoin de beaucoup d'XP. Donc c'est pour ça que j'ai réuni pas mal de matériaux pour pouvoir me construire une farm à Enderman. Bon bah c'est parti, que la construction commence. Et voilà les gars, après une bonne heure de farming et d'enchantement, je suis enfin maxé sur toutes mes armures et toutes mes armes. Sauf la pelle et la hache, parce que clairement j'avais la flemme. Et la différence entre la pelle efficacité 5 et efficacité 4, c'est clairement ridicule. Et on peut aussi officiellement dire qu'on est jour 100. Ça fait déjà 100 jours, enfin 100 jours dans le jeu, qu'on joue sur cette survie. Et franchement ça passe plutôt vite. Mais bon, perdons pas plus de temps parce que j'ai encore vraiment pas mal de choses à faire. Comme par exemple, battre le Wither. Et pour ça on a bien évidemment besoin d'aller dans le nether pour aller chercher 3 têtes de wither squelette. Et vu que j'ai but à 3 sur mon épée, ça devrait normalement aller assez rapidement.
Ok, mon ref, je crois que tu t'es perdu là. Et voilà, je les ai enfin mes trois crânes de Wither squelette. Du coup, on prend un peu de sable des âmes, et il nous suffit donc d'aller dans l'End sous le portail de retour à la maison, enfin je sais pas comment vous pouvez l'appeler ça, et il suffit de creuser un trou juste en dessous où tu poses 4 obsidiennes dans la forme du Wither squelette, et tu places ta dernière tête. Et normalement, attention, on s'éloigne, il devrait être bloqué dans la bedrock, donc ça veut dire que ça va être super facile bah, de le tuer tout simplement, regardez ça. N'est-ce pas magnifique? On va pas se mentir, c'est vraiment une technique de tricheur. Mais vas-y, vous inquiétez pas, c'est pour la bonne cause. Et maintenant, on a juste à crafter le beacon. Et voilà, beacon au deuxième épisode. Est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part d'autre? Moi, je crois pas, hein. Bon, par contre, il va me falloir un peu plus de minerai que ça. Donc, go à les miner, tout simplement. Bon, voici ce qu'on a pu trouver pendant notre exploration. Et oui, on a trouvé plus de diamants que de fer. Franchement, oui, ça m'a aussi impressionné. On a trouvé aussi pas mal d'or. Mais ce qui reste impressionnant, c'est quand même le montant de diamants. Et comme vous pouvez le voir juste dessus, j'ai aussi trouvé pas mal de pierres des abîmes. Mais ne vous inquiétez pas, je vais les utiliser vraiment beaucoup pour les builds qui arrivent. Bon, je pense que je vais aussi aller faire un petit tour dans le Nether. Parce que clairement, je pense que tout ça, ça suffira vraiment pas pour faire un beacon en entier. Bon, voilà tout ce que j'ai pu trouver en lingots d'or dans le Nether, et c'est vraiment vraiment pas mal. Bien évidemment c'était des pipites d'or, mais après les avoir transformées, ça fait vraiment beaucoup. Et comme vous pouvez le voir dans mon inventaire, j'ai aussi trouvé un fragment de Netherite. Donc du coup j'en ai 4 et je peux encore faire un lingot de Netherite. Est-ce que je le fais? Vas-y je le fais, soyons fous. Et après transformation, voici tout ce qu'on pourrait avoir en bloc d'or pour faire notre beacon. Et je pense que a priori, ça devrait suffire. Bon, maintenant passons à ce qui vous intéresse, à ce que vous avez voulu voir en cliquant sur la vidéo. Et je parle bien évidemment du géant trou qu'on va faire dans la montagne. Venez avec moi, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Alors, comme vous pouvez le voir, cette genre de montagne avec un creux au milieu a vraiment un gros gros potentiel. J'ai pas envie de leak les prochains projets, mais j'ai bien envie de faire un pont qui traverse tout ici. Enfin bref, ça c'est pour plus tard. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire un gros trou ici, ce qui va nous permettre d'exposer le portail à ciel ouvert et bah d'y rentrer aussi plus rapidement. Parce que je vous mens pas que descendre à chaque fois, déposer de l'eau et des fois sans faire exprès, gaspiller des totems en tombant dedans, et bah un moment ça suffit. Premièrement, il faut que je fasse pas mal de terraforming et que bah je creuse tout simplement le trou qui va mener jusqu'au portail de l'End. Et puis deuxièmement, on ira customiser ce trou et vous inquiétez pas, j'ai quelques petites idées de custom. Wow, oh, oh, il m'a fait trop peur. Oh punaise, heureusement que j'avais un totem par contre. Hein. Oh, mais c'est tellement dangereux. Ok, bon, les gars, il me manque 11 blocs pour faire un beacon complet et avoir célérité 2. Donc je vais faire un petit tour dans le Nether pour aller chercher de quoi faire bah, assez de blocs en or pour pouvoir compléter ce beacon et on se reprend juste après. Oh les gars, regardez ce que j'ai trouvé. Je suis dans un bastion et j'ai trouvé une pioche touchée de soie. Ça c'est cool. Je pense que ça va être utile dans des futurs projets. Ok, bon, parfait. Maintenant que mon beacon est complet, je devrais avoir célérité 2... Ah bah voilà. Bon, premièrement on va avoir besoin d'aplatir tout ça, parce que le problème c'est qu'on va essayer de faire une structure aussi en dehors. Donc voilà, ça c'est la première étape du build, faire du terraforming. Ah bah voilà, c'est quand même mieux comme ça. Par contre, je pense que je vais casser cet arbre parce que vraiment, il me trigger à flotter comme ça, là. Je suis désolé, hein, madame les abeilles, mais franchement, là, je vais être obligé, hein, j'ai pas le choix. Bon, voilà la forme du portail. La terre que vous voyez au milieu, normalement, c'est le centre du portail. Donc, normalement, si on creuse tout ça jusqu'au fond, on devrait arriver pile poil sur la forme du portail. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un test ou pas? Attention, avant, ça ressemble à ça, et après, ça ressemble à ça. Et ouais, bon, c'est un peu le désastre. Et en fait, je me suis rendu compte un peu trop tard que, bah, en fait, je pouvais tout détruire à la TNT. Et comme vous pouvez le voir, bah, j'ai tout détruit à la pioche et à la pelle. Et je vous mens pas, c'était assez long. Ah, un marchand. Viens ici. Va voir là-dedans, il y a plein d'émeraudes. Va voir, j'ai dit. Ah, oh bah vous, hop là, ça fuse. Chiche. Ah, il est tombé. Par contre, lui, on l'a vu. Ah, mais c'est ça d'avoir un arc puissance 5, ça fait du bien. Bon, maintenant, on va essayer de former le truc. Ça veut dire qu'avec la cobble, on va essayer de donner bah, la forme finale au trou. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ah, mais attendez, je suis con. Au lieu de le faire avec la cobblestone, je peux directement le faire avec les motifs que je veux. Enfin, avec les pierres que je veux. Attendez, je vais vous montrer. «
Ah bah voilà, c'est quand même mieux comme ça, non? Bon, on va pas se mentir, on dirait un trou vers la porte des enfers. Donc je pense que je vais faire quelques petites améliorations. Enfin, c'est pas je pense, c'est je vais faire quelques petites améliorations. Et franchement, bah j'espère que ça rendra bien, tout simplement. Bon, au début ça ressemble à ça, et après ça ressemble à ça. Bon, je sais pas si on voit trop la différence, mais je vous mens pas, je me suis fait pas mal chier. Mais bon, on va pas se mentir que de l'extérieur, ça ressemble encore à rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire encore quelques petites améliorations et faire des décorations autour. Et voilà ce que ça donne. Alors franchement, je sais pas comment ça rend, mais pour moi, ça m'a l'air plutôt pas mal. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il y a quelque chose à améliorer sur ce build. Attendez les gars, regardez. Non, ne me dis pas on prend des dégâts de chute dès qu'on arrive dans l'end. Attendez, je vais essayer. Et les gars, je pense avoir trouvé une solution au problème du fait que dès qu'on tombe pour aller dans l'end, et ben on se prend des dégâts de chute et qu'on meurt avec notre totem. En fait, ce qu'on va faire, c'est que j'ai remarqué que on prenait des dégâts de chute dès qu'on arrivait là-dedans. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer la lave par de l'eau. Donc a priori, si je me trompe pas, on devrait arriver dans l'end sans prendre de dégâts de chute. Je crois qu'on n'est pas arrivé dans l'end. Ok, parfait. Bon, maintenant, dirigeons-nous à la farm à XP parce que comme vous pouvez le voir, ma pioche et ma pelle sont assez faibles. Donc du coup, il faut les réparer. Bon, ça y est, je me suis installé le beacon avec célérité 2, et on peut y aller. On creuse, c'est parti. Bon voilà, ça c'est la forme que notre base finale devrait avoir. Enfin, imaginez juste qu'il y ait des murs à la place de la cobblestone, et en fait, ça fait la salle finale. N'est-ce pas magnifique? Comme vous pouvez le voir ici, il y a un côté plutôt avancé, alors qu'ici... c'est pas forcément ouf ouf. Alors au début ça ressemble à ça et après ça ressemble à ça. Alors oui, moi aussi j'ai pété mon crâne quand j'ai vu que j'étais dans une cave. J'ai donc dû faire un sol artificiel comme vous pouvez le voir. Et en fait aussi je me suis rendu compte un peu tard que bah, je buildais dans le vide avec une torche en main. Donc ça voulait dire que si je tombais, bah je mourrais tout simplement. Oh my god! Bon, arrêtons de faire les guignols, éloignons-nous du vide, et aussi réparons notre petite pioche en netherite, parce que là, j'avais pas remarqué, mais elle est en train de se péter, tout simplement. Bon bah maintenant, mettons un tout nouveau sol, c'est parti. J'espère que ça rend bien, surtout avec le basalte que j'ai mis ici. Bon, maintenant passons au plafond et ça va être long. Ouais, ça rime en plus. Attention, au début ça ressemble à ça et après ça ressemble à ça. J'ai opté pour un plafond plutôt sombre, mais moi je trouve que ça rend pas mal, surtout avec les petites lanternes qui sont incrustées dans le plafond. Franchement, moi j'aime plutôt bien. Bon, je me suis autorisé à encore mettre des genres de stries avec des poteaux. Bon bah maintenant c'est les murs qu'il faut qu'on fasse. C'est parti. Donc maintenant on n'a plus qu'à passer au mur interne. C'est parti. La première partie est a priori finie. Maintenant il me reste juste à mettre les installations dedans. Et bah vous verrez bien par après ce qu'on va faire. Par contre je vois que c'est un peu monotone. Donc je pense que je vais faire encore quelques petites améliorations, histoire de décorer encore un peu plus. Et voilà, ça y est, les salles sont définitives. Et j'ai rajouté quelques petits détails, comme par exemple du bois, des vitres, quelques petites genres d'arches par-ci par-là. Et franchement, je vous mens pas, ça rend plutôt pas mal. Mais maintenant il manque plus qu'à remplir ces salles. Mais avant ça, on a d'autres choses plus importantes à faire. Bon, maintenant je vais éliminer de la netherite. J'ai un peu AFK pour avoir de la poudre à canon. Et maintenant, il me faut un peu de sable. Ce qui va nous permettre d'avoir 6 stacks et demi de TNT. Et franchement, je suis plutôt pas mal pressé de voir combien d'anciens débris on peut avoir avec tout ça. Bon bah, comme vous pouvez le voir, elles ont déjà commencé à exploser. Nickel, super, ça m'attend même pas. Parfait. Hey !
ce qui nous aura permis d'avoir 53 fragments de netherite. Et franchement, je trouve ça pas mal. Mais c'est là que je me rends compte que pour le beacon en netherite, va falloir que je mette la main à la pâte. Mais bon, trêve de bavardage. Maintenant, j'ai un autre petit projet, et ce projet, c'est trouver un trident. Mais avant d'y aller, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas respiration sur mon casque, et respiration, dès qu'on va dans l'océan pour aller chercher le trident, c'est vraiment, vraiment très utile. Donc du coup, direction la farm XP, où j'ai mis ma table en enchantement. Ah là 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 là, mais je m'en lasserai quand même jamais de ce tube. Hein ? Attends, quoi ? Oh non, mais ça sert vraiment à rien l'eau qu'on a mise là. Mais en fait c'est bizarre parce que des fois je prends pas de dégâts de chute et des fois je prends des dégâts de chute. Mais bref, par principe va toujours falloir que j'ai un totem dans la main avant de sauter dans l'end. Ça y est, on a enfin apnée 3 sur mon casque. Bon, désolé pour le bruit ambiant, c'est un peu dérangeant, on va vite s'en aller. Et bon, maintenant il suffit juste de voler aux alentours jusqu'à trouver un océan. Ah bah voilà, en plus c'est vraiment genre à 1000 blocs de ma base, donc franchement c'est cool d'avoir un océan aussi proche de sa base. Oh les gars, regardez, j'ai trouvé le nouvel arbre de la mise à jour. Ah ouais, vrai flow. Est-ce qu'on peut avoir genre une pousse? Ah non, c'est ça, azalée fleurie. Ok, mais y a pas genre un truc pour faire pousser l'arbre? À moins que ça soit genre l'azalée fleurie. Genre si on met de la poudre d'os dessus, ça fait un arbre. En vrai, on pourrait essayer. Ah non, azalée. Attends, je comprends rien là. Je suis largué, je suis déjà un boomer de Minecraft ou ça se passe comment là? Oh, il y a une jungle! Mais attends, mais cette seed est incroyable, les gars. Attendez, je vais tout de suite prendre une pousse de la jungle parce que vraiment les arbres sont vraiment stylés dans la jungle. Et je vais aussi prendre un bambou. Oh, les gars, il y a un perroquet. Je vais essayer de le nourrir pour que ce soit mon pote. Ah ouais, il est gourmand le ref là. Attendez, je vais faire un peu des courses de graines. Vas-y, avec 10 graines, normalement, ça devrait faire l'affaire, non? Ah, mon ref! Il y a mon pote! Oh! Oh là là, le flow. Venez, on l'appelle Robert. Robert le perroquet. Les gars, dans les commentaires, dites bienvenue à Robert le perroquet. Alors normalement, quoi qu'il se passe, il est censé me suivre. J'espère juste qu'il va pas se noyer dans l'eau, c'est tout. Oh, il y a un oslo. Non, mais j'ai rien pour le nourrir, je crois. Attendez, s'il a tué les poulets. Est-ce qu'il mange du poulet? Viens ici, tiens. Oh, il mange pas. Oh, il pue, vas-y, eh. Hey. Viens Robert, viens, on se casse. Nous, on parle pas avec le mec bizarre, non. On parle pas avec le mec bizarre, non. Oh les gars, j'ai trouvé un coffre enfoui avec une potion de respiration aquatique. J'ai jamais vu ça perso. Bon, on va la prendre, hein. Non, attendez, ne me dis pas il y a deux centres de l'océan là. Attendez, regardez. Il y en a un là, et il y en a un là. C'est quoi ce bordel, les gars? Non, mais attendez, mais c'est n'importe quoi. Bon, bah, je crois que j'ai mon objectif pour le prochain épisode. Hein. Bon, je suis avec mon pote Alfredo. Le problème, c'est qu'on trouve pas trop de zombies, en fait. C'est compliqué, mais vas-y, on s'accroche. Oh, il y a un trident. Il est enchanté. Si je peux l'avoir, celui-là. Oui, par contre, il fait mal, le ref, là. Non, il a touché mon dauphin. Oh, toi, tu vas le payer. Attends, mais il y en a un deuxième, là. Ils sont déter. Ok, ils sont vraiment déter. Attendez, on va juste reprendre notre respiration. On y go. Non, non, ils l'ont tué. Tu vas le payer. Non. Tu vas me manquer, Alberto. Voici les restes de Alberto. Repose en paix, mon pote. Tu m'auras bien servi quand même. Oh, il y a Alberto 2, les gars. Viens ici, Alberto 2. Viens, mon pote. Let's go. Hop là, tu reviens avec moi, toi. Aussitôt parti, aussitôt remplacé, hein. Pauvre Alberto. Les gars, regardez. Je fais comme les dauphins. Je trouve pas de zombies noyés, ça me saoule. Wow, regardez tous les dauphins qui me suivaient. C'est un truc de zinzin, mec. Je suis l'homme dauphin, en fait. Il m'aime trop. Venez ici, venez. Voilà. Allez, mon ref. Oui. Oh yes. Oh, let's go. Oh, enfin. Oh, merci Alberto, merci. Bon, Alberto numéro 372, je te remercie pour ton travail et ta loyauté. Et maintenant je te relâche. Va vivre ta vie, mon grand. Par contre t'embarques pas ma lettre comme ça, hein, mon ref. Ah, tu joues avec, tu me la rends. Rends tout de suite. Mais fais quoi, le ref? Voilà, c'est bien. Allez, salut mon pote. Bon, trêve de plaisanterie. Maintenant rentrons à la maison parce que j'ai d'autres choses beaucoup plus importantes à faire. Par contre je sais pas où il est passé le pigeon, hein. Le perroquet, excusez-moi, je lui ai manqué de respect. Bon, je pense que ça a été l'existence d'un perroquet la plus courte de l'histoire de l'humanité. Donc un petit rip dans les commentaires pour Alberto, Ricardo. Oh, je sais plus. Et vas-y, mon ref, t'inquiète, hein. T'étais trop utile, genre. Genre, tu m'as bien soutenu et tout dans les moments où ça allait pas et tout. Genre, trop bizarre. Bon, maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est mettre des choses dans les salles que vous voyez derrière moi. Donc, j'ai eu l'idée que dans cette salle, je pourrais mettre une farm à canne à sucre et dans cette salle, une farm à bambou. Mais tout d'abord, il faut bien évidemment récolter les matériaux qu'on va avoir besoin. Bon, bah, maintenant qu'on a les matériaux, enfin, a priori, je devrais les avoir. On n'attend pas plus de temps et c'est parti. Et voilà, ça y est. A priori, les farms sont opérationnelles. Je vais juste checker normalement que ça fonctionne tout tranquillou. Ok, parfait. 10 cannes à sucre. Super. Et là-bas, bon, a priori, j'ai entendu que ça coupait des de bambou. Ouais, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne a priori. Ok, déjà... Oh punaise. Oh ouais, 54 bambous. Bon, elles ont l'air plutôt pas mal productives. C'est cool. Ça veut donc aussi dire qu'on peut enlever cette farm à canne à sucre. Et franchement, je suis pas mécontent parce qu'elle gâche vraiment le paysage à mon avis. What? Regardez. Mais c'est incroyable.
Bon, mes prochains projets dans ces salles sont les suivants. Faire un trading hall. Alors ça veut tout simplement dire un endroit où il y a un regroupement de villageois où je vais pouvoir trade maintes et maintes choses et me faire énormément d'émeraudes. Et ici, on va peut-être se faire un endroit pour pouvoir faire reproduire les villageois. Mais le problème, c'est que le dernier survivant du village, c'est Ricardo. Et j'ai regardé dans les maisons du village, il n'y a plus aucun villageois restant. Je sais pas ce qui leur est arrivé, mais franchement, rip à eux. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que proche de la farm à raid, j'ai repéré un village juste en haut de la montagne. Donc du coup, va tout simplement falloir que je transporte un villageois de ce village jusqu'à ma maison. Et franchement, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment pas mal de chemin. Allez Ricardo, c'est l'heure mon pote, c'est l'heure que tu sois libéré de ta petite cabane. Je te promets, ça va pas faire mal. Bon, maintenant, go mettre Ricardo en lieu sûr, parce que franchement, là, il a failli me faire un road trip dans le Nether, je l'aurais jamais retrouvé. En plus, vous savez à quel point mon Nether est dangereux. Donc du coup, on va le mettre tranquillou ici avec l'autre villageois qui va arriver. Bon, Ricardo, c'est pas que je te fais pas confiance, mais je te fais pas confiance. Donc on va mettre des petites barrières comme ça, on est sûr que tu t'en vas pas. Allez hop, toi, t'es l'élu, tu viens avec moi tout de suite. Eh, hey, nickel, t'es bien là-dedans, non? J'espère que t'es bien parce que tu vas y rester pendant un petit moment, mon ref. Attention, on va faire la descente fatidique. J'espère que t'aimes bien les ménages d'association parce que là, va y avoir des sensations, mon ref. Attention, let's go! Wow! Punaise, heureusement il n'y a pas de dégâts de chute, hein, sinon bah il serait mort, hein, tout simplement. Bon, bah du coup là mon ref, on se retrouve un peu bloqué, je vais pas te mentir, donc du coup il va falloir que on fait la vieille méthode, hein, avec des rails. Ne bouge pas, je reviens. Bon, le chemin de fer est tracé, j'ai fabriqué un minecart, je vais le mettre en place sur les rails. Attention, en place, je pousse le wagonnet et c'est parti. Eh, ça roule bien, hein, ça roule bien. Et il devrait arriver tranquillou ici. Oh là 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 là, regardez-moi ce professionnalisme là. Bon les gars, une fois arrivé à ma base, je pense que vous avez compris ce que Jacouille va faire. Bon, j'espère que le trickshot va passer. Mais vous inquiétez pas, on va être là pour y assister. Attention! Ok. Bon, j'espère qu'il s'est pas tué trop mal. Pourtant c'est simple, regarde, tu peux MLG mon ref. Je te remontre. Tu vois, c'est simple. Ah, regarde, il y a ton amoureux là-bas. Ah, bah voilà, vous êtes quand même un peu mieux avec Daily, non? On est d'accord. Oh, il commence déjà à se parler. Ça, c'est cool. Bon, bah, avec ça, j'ai besoin de faire quelques petites patates pour pouvoir reproduire les villageois. Bon, j'ai pu avoir tout ça comme pommes de terre. C'est franchement pas mal. Et venez ici, venez vous reproduire, vous. Hein, c'est pas parce que je parle qu'il faut être dissipé. Allez. Bon, voilà, j'ai disposé tous les endroits où on va pouvoir mettre des villageois. Pour ceux qui comprennent pas la disposition, par exemple, je vais mettre le villageois ici et son métier juste ici. Ça veut dire qu'il sera bloqué ici éternellement avec son métier juste devant et une petite pancarte. Pour préciser un peu ce qu'il vend. Bon, les gars, c'est pas que je vous mets la pression, mais voilà quoi, faut penser à faire des gosses, hein. Bon, maintenant, ici, j'aimerais bien faire une salle des coffres. Alors, il va y avoir des coffres tout le long, mais le problème, c'est que dans cette salle, je sais pas du tout quoi construire. Donc, si vous avez des petites idées, dites-moi en commentaire, et peut-être que votre idée sera dans la prochaine vidéo dans cette salle. Pour la salle des coffres, on aura besoin d'un peu plus bois que ça, donc c'est parti, petite timelapse minage de bois. Bon, a priori, on devrait être good au niveau du bois. Je vais voir, normalement, ça devrait être good. Et avec tous les coffres en place, ça donne ça. Bon, alors, je crois que j'ai installé un peu trop de coffres comparé à ce que j'ai. Mais vas-y, c'est un bon début. Mais normalement, au fur et à mesure de l'aventure, je devrais pouvoir les remplir. Bon, c'est pas tout. Mais là, on a fait une super belle cave, enfin un super beau sous-sol. Et la grotte reste tout à fait dégueulasse. Et surtout à cause de ces genres de vieilles pierres dégueulasses. Tout ce que j'aimerais, c'est que j'aimerais mettre une roche comme ça partout dans la grotte. Bref, mieux vaut des images que mille mots. Donc au début ça ressemble à ça et à la fin ça ressemble à ça. Je trouve que ça rend vraiment bien et comme dit, vaut mieux une feuille blanche pour pouvoir bien la personnaliser qu'une feuille déjà toute gribouillée. Bon, maintenant nourrissons un peu les villageois. En vrai, commence à y en avoir pas mal, mais franchement c'est vraiment pas assez. Parce que moi, regardez, je vais remplir toute cette salle de villageois. Donc y a un peu de boulot les gars. Je vais vous laisser tranquille. Visiblement vous aimez bien ma compagnie, mais moi j'ai autre chose. Non. Oh non non, ça commence. Toi tu viens ici tout de suite. En plus tu viens de prendre un métier là. S'il te plaît, tu veux bien entrer dans ce bateau? Allez hop, on te ramène à la maison. Attendez, mais il vient de me donner un casque en maille. Ah, mais c'est parce que je suis héros du village, c'est pour ça. Il gratte l'amitié, ok, je comprends. Bon, maintenant retournons à l'océan. Parce que à ce qui paraît, dans les commentaires, on m'a dit que dans l'arbre d'azalée qu'on avait retrouvé au bord de l'océan, et si on creusait en dessous, on trouvait forcément une lush cave. Et ça franchement, ça m'intrigue plutôt pas mal. Ok, mes souvenirs, l'arbre se retrouve juste ici. Allez, descendons. Wow, wow, attendez, là, clairement, on va pas se mentir, je mourrais si j'avais pas fait de MLG. Mais attendez, c'est magnifique, j'ai trop de choses à dire. Wow, c'est magnifique. Oh, un axolot. Allez, toi, tu reviens avec moi. Ta gueule. Alors, il me semble que si je vais sur ces genres de nénuphars avec une branche, regardez,
Oh, c'est incroyable, ça tombe. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les coordonnées de cet endroit et on va peut-être revenir ici dans le futur pour y faire un petit build sympa. Attendez, mais qu'est-ce que je vois encore? Un autre axolot. Mais on va le prendre, ce petit coquin. C'est parti, on a deux axolotes. Avec toutes ces belles lumineuses qui tombent là, c'est franchement magnifique. Et en fait, genre, je sais pas, j'ai l'impression que cet endroit, il est apaisant. Genre, je me sens en sécurité ici. Oh, mais attendez, mais ça descend encore plus bas. Mais attendez, mais c'est quoi cette cave? Est-ce qu'on va réussir? Ok, let's go. Et franchement, avec des shaders, ça doit être aussi quelque chose. Attendez, mais vous savez quoi? On va mettre des shaders. Attention, 3, 2, 1. Ah ouais. Oh, il y a RTX. Regardez, ça reflète. C'est vraiment magnifique. Oh, diamant, let's go. Grâce aux shaders, on a trouvé. Franchement, je pense que sans shaders, on n'aurait absolument pas trouvé le diamant. Wow, wow, wow. Plus un orage. Non, mon axolot. Non. Wow, le diamant est magnifique. J'ai même pas envie de le toucher. Attention, je pense que le mot de cette vidéo, ça va être magnifique. Oh, encore des gems, mais attendez. Je pense qu'on a assez cheaté avec les shaders. Non, mais regardez, c'est quoi cette triche? On va les enlever. Bon, je crois que j'ai perdu de vue les diamants. Bon, les gars, j'ai une mauvaise nouvelle. Je retrouve pas les diamants que j'ai vu avec les shaders. Au pire, vous savez quoi, hein? On va remettre le shaders, tout simplement. Ah oui, ah bah attendez, c'était juste ici, en fait. Mais je suis trop débile. Ouais, mais c'est vrai que c'est difficile à voir, hein. Dès qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est vraiment difficile à voir dans ce genre de cave. Ok, let's go. Bon, vu que notre inventaire est plein, je pense qu'on va gentiment remonter à la surface. En évitant de se prendre des éclairs dans la gueule aussi, ce serait dommage. Bon, maintenant, comme à peu près chaque épisode, allons miner un peu de netherite. Mais d'abord, étape obligatoire, chercher du sable. Alors, en allant à l'océan, j'ai repéré une petite plage de sable qu'on va bien pouvoir démolir. Bah écoutez, c'est parti. Bon bah ça y est, elle est déjà remplie. Bah ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi finir de remplir mon inventaire. Attendez, bougez pas, je reviens. Bon, voilà, c'est mieux comme ça, non? Parfait, on a un double coffre quasi rempli de sable. Mais petit problème, on n'a pas du tout de poudre à canon. Donc vous savez ce qu'on va faire. On va AFK à notre super pharma creeper. 1 hour later. Eh, franchement, on s'en sort plutôt pas mal. Bon voilà, ça nous fait 5 stacks de TNT. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et d'après mes calculs, on devrait avoir approximativement un stack de netherite. Bon, maintenant il suffit d'aller vérifier ça. Bon, certes, je me suis un peu trompé dans les prévisions, mais c'est pas grave, parce que l'erreur est humaine. Bon, j'y ai pensé, mais j'ai encore pas mal de minerais à faire cuire. Et le problème, c'est que, bah, ici, j'ai rien. Et dans les commentaires de la dernière vidéo, vous avez été des dizaines à me dire, mais fais un four automatique. Donc c'est ce qu'on va s'empresser de faire, et franchement, ça va être super, super pratique. Bon, alors, première chose, bah, faut dégager la zone. Et le problème, c'est que, il y a monsieur le golem de fer qui a décidé de stopper l'incruste. Donc du coup, bah, on va devoir l'enlever. Eh, même pas peur, regardez. Ouf, j'ai quand même eu chaud, j'ai plus que 3 cœurs. On fera un peu plus attention la prochaine fois. Bon, par contre, première chose à faire, il me faut un maximum de fer. Parce que le nombre d'entonnoirs que j'ai besoin est plutôt aberrant. Alors, comme vous avez pu le voir présentement, j'ai un peu de fer dans mes coffres, mais j'ai bien peur que ça ne suffise pas. Bon, je viens de regarder, j'ai pas assez de fer. Donc du coup, direction les caves de la 1.18 pour aller trouver le fer qui me manque. C'est parti. Les gars, attendez, je suis dans un mineshaft et regardez sur quoi je tombe, un spawner de squelettes en plein milieu d'un mineshaft. Oh, petit disque. Bon, normalement maintenant je devrais avoir ce que j'ai besoin. Alors au début le super smelter ressemble à ça et après ça ressemble à ça. Ok, donc a priori si tout fonctionne bien, regardez, on devrait pouvoir mettre les débris antiques qui devraient couler très très vite dans le minecart. Et on devrait pouvoir mettre ici le charbon qui lui aussi devrait couler très vite dans le minecart. Et une fois qu'on active la machine, ça devrait tout activer normalement, tous les fours, et mettre normalement équitablement le charbon ainsi que les minerais à cuire. Ok, donc a priori ça cuit plus. On éteint et les minecarts devraient s'arrêter, parfait. On a tout qui est cuit là. Franchement, c'est vraiment, vraiment incroyable. Par contre, petit problème, vu que j'ai installé mon super smelter là-bas, et bah du coup, j'ai plus aucune salle pour dormir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va foutre mon lit en plein milieu de la base. Ça fait moche, mais moi je trouve ça drôle. Hop là, on met le point de réapparition. Et je trouve qu'on est plutôt pas mal pour dormir ici. Bon, nous dispersons pas trop non plus. Maintenant, notre objectif principal, c'est bien évidemment de tuer les 3 boss de Minecraft. Donc ce qu'on va faire, bien évidemment, c'est qu'on va récupérer tous les items qu'on aura besoin pour battre tous ces boss. Alors la première chose dont on aura besoin, c'est des
l'arme de Ghast. Et donc on en aura besoin pour activer l'Ender Dragon. Regardez, je vais vous montrer. Bon, voilà, j'ai ce qu'il faut normalement. 4, ça devrait suffire. Et maintenant, il me faut aussi 3 têtes de Wither. Alors, c'est parti. On a tout ce qu'il nous faut maintenant. On a nos 4 cristaux de l'End. Ok, donc maintenant, on invoque les deux boss. Le Wither et l'Ender Dragon. C'est parti, souhaitez-moi bonne chance, les gars. Non! Non! Le Wither a cassé l'Ender Dragon. Oh la bavure! Oh non! On va revenir. Il a même cassé le portail! Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, alors, il me semble que j'ai assez pour refaire un Ender Dragon. Ok, heureusement que j'ai encore de quoi faire les cristaux de l'End. Parce que sinon, on n'aurait pas pu réinvoquer un Ender Dragon. Allez, cette fois, c'est la bonne. Oh, attendez, mais il s'embrouille avec tous les. Ouh là là! C'est bavure ça. Attention. Ok, parfait. On attend que l'Ender Dragon soit invoqué pour pouvoir faire les deux boss en même temps. Ok, je crois que l'Ender Dragon est en train d'être invoqué. Ok, allez, souhaitez-moi bonne chance, les gars. Bon, premièrement, on va détruire les cristaux de l'End pour éviter que l'Ender Dragon se régénère. Tac. Alors, je vais pas vous mentir, c'est plutôt facile avec des Illithras. Un peu moins dès qu'il y a un Wither qui essaie de te détruire la gueule. Nickel. Let's go. Ok, bon. Maintenant, de qui allons-nous nous occuper? C'est une bonne question. Parce que le problème avec le Wither, c'est qu'il peut se régénérer facilement. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais attendez, mais ne me dis pas... Il focus l'Ender Dragon. Attendez, non. L'Ender Dragon peut se régénérer. J'ai pas tout cassé. Voilà. Où est-il? Monsieur Wither, je vais t'avoir. Attaque. Oh, mais il va trop vite. Bon, je crois que je vais m'occuper de l'Ender Dragon en premier. Hein. Bon, attention. L'Ender Dragon qui va perch. On se met en dessous de lui. On tape la tête. Bon, ça c'est un bug d'affichage, il est encore là, vous inquiétez pas. Ok, il est plus là. Viens, on le focus. Let's go. Attaque. Wow. Il fait trop mal. Ok, l'arc qui fait puissance 5, qui fait le taf. Ah, l'attaque. Let's go. Wow, j'ai 2 cœurs. 1 cœur et demi. Oh, j'avais plus qu'un demi cœur. Attention. Je m'en fous, j'ai un totem d'immortalité. Tu veux pas un moment? Ok. Ouais, j'ai compris. Ok, let's go. Ah ouais, il veut y aller à la main, lui. Ok, on mange une petite golden apple. On y va à l'épée, plus rien à foutre. Tu me fais pas peur, moi. Oh. Ah, attends, coup de tête. Coup de tête. Ok. L'Ender Dragon, à nous deux maintenant. J'aimerais bien qu'il me fasse voler un peu pour que je vous montre mon talent à MLG là. L'Ender Dragon il est timide les gars, comment je fais? Comment je fais si l'Ender Dragon il est timide les gars? Allez, faut venir! Il est en train de pêche! Let's go! 2, 3, ah! Je panique! 4, 5, 6 et 7! Ah non! Ok, bon, on vient de faire. On le tape! Fais-nous voler, Ender Dragon! Allez, fais-nous voler! Bon ouais, mais t'es timide ou quoi mon ref là? Attendez, on va voir s'il me fait sauter là. Attendez, c'est quoi si je me. Wouh! Ok, attention. MSG. Oh, let's go! Oh, le skill du gars quoi. Bon, c'est pas tout, mais toi, je te finis à la pelle. Voilà. Alors, combien d'XP nous a donné? Normalement, un peu moins que le premier Ender Dragon, ouais. Nous a donné 2 niveaux d'XP. Bon, je sais pas si vous avez pu trop le remarquer, mais je suis un peu à court de Shulker Box. J'en ai genre 3. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les Ender City en 2 spi et on va aller chercher quelques Shulker Box. Ah bah voilà. À peine j'arrive, une première End City avec un bateau, ce qui va me donner des Elytras. Donc on va s'empresser d'aller dans le bateau en premier. On récupère les 2 potions de soins. Ouh. On récupère le stuff. Ok, qui est plutôt pas mal. On récupère les Elytras à nouveau et on va chercher la petite tête de dragon. Attention que la timelapse de la récolte de Shulker Box commence. Bon bah voilà, on a 16 carapaces de Shulker, ce qui nous fait 8 autres Shulker Box. Et en tout, on en aura 10. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Bon, maintenant, rentrons à la maison parce que les 2 temples de l'eau nous attendent. Alors, il va nous falloir un peu de lait de vache. Et c'est parti, retrouvons nos 2 petits temples de l'eau. Ah, ça y est, premier temple en vue, à l'attaque. Oh, le premier boss est déjà là. C'est parti.
Let's go! Ok, je l'ai battu. Il m'a drop quelque chose ou pas? Absolument rien. Ça fait plaisir, merci à toi mon ref. Bon, je vais pas vous mentir. Ce qui m'intéresse dans ces temples, ce sont les éponges ainsi que les blocs d'or. V'là le deuxième boss! Et l'attaque! C'est parti! Wow! Je vois rien ce que je fais. Un plaisir. Oula, je me fais un peu attaquer de partout. On reprend nos esprits, voilà. Mais je vais mourir là. On va prendre nos pommes d'or aussi. Parce que j'ai bien l'impression que ça va être bien utile pour récupérer de la vie. Alors, où est-ce qu'il est le boss? C'est lui qui m'intéresse. Ok, alors je peux vous mentir les gars, c'est la première fois que je fais un boss sous-marin. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Franchement, j'étais assez perplexe parce que je me souviens que c'était assez chaud. J'avais déjà essayé mais j'avais jamais réussi. Ah, voici la salle tant convoitée avec tous les blocs d'or à l'intérieur. Attendez, on va peut-être mettre une petite porte pour pouvoir respirer. On boit le lait. Et comme par magie, regardez. Let's go, 9 blocs d'or qui nous attendent tout fraîchement. Ah, je me suis trompé en fait, c'est 8 blocs d'or et... Je me suis repris la malédiction, un plaisir. Et toc! Où est-ce que t'es, troisième boss? Ah, mais c'est qu'il est là! On a trouvé Gérard. Gérard, le gros poisson. Voilà! Qu'est-ce que tu vas faire, mon ref? Oh, let's go! J'ai trouvé la salle aux éponges. Oh, parfait. Bon, à ce que j'ai pu remarquer, il n'y avait qu'une salle des éponges dans ce monument de l'océan. Je sais pas comment vous appelez ça. Maintenant, il faut aller chercher le deuxième. Voilà. On va vite miner avant d'avoir la malédiction. Ok, parfait. Ah ben, qui voilà-je? Ok, let's go. Elle est plus que deux boss maintenant. Où peut-il bien être? Ok, le voilà le deuxième. Let's go. Le voilà. Le dernier boss. On le prend dans un coin. Let's go. C'est bon. Première salle trouvée. Oh, la deuxième salle. Elle est là. Ça y est. On est rentré à la maison avec ce qu'on voulait absolument. Nos éponges mouillées. Et on a réussi à s'en sortir avec un stack ennemi. Bon, je pense que comme vous le savez, pour pouvoir utiliser les éponges, on a besoin de les cuire. Donc du coup, de les sécher en les passant au four. On met les éponges ici. On met le charbon ici, et on envoie la sauce. Et voilà, nous avons nos éponges qui sont sèches. Alors évidemment, j'ai envie d'avoir tous les beacons possibles, sauf que, petit avantage pour moi, j'en ai déjà un, comme vous pouvez le voir. Et c'est le beacon en or. Donc du coup, logiquement, il me manque plus que le beacon en diamant, en émeraude et en fer. Donc ce qu'on va faire du coup en premier, c'est le beacon en fer. Et pour ça, j'ai besoin de faire une farm à fer, et pour cette farm à fer, j'ai précisément besoin de 146 blocs d'obsidienne. Donc du coup, je pense que vous savez où est-ce que c'est le meilleur endroit pour trouver de l'obsidienne. Et effectivement, vous avez visé juste Celand avec tous ses grands pilier d'obsidienne que je vais bien pouvoir utiliser. Et j'ai donc aussi décidé d'installer un beacon avec célérité 2. Et je pense que ça va grandement m'aider pour avoir un maximum d'obsidienne. Alors, c'est parti! Bon, voilà, 3 stacks et demi, normalement c'est amplement suffisant. Bon, maintenant, je vais récupérer le reste des matériaux qu'on aura besoin pour faire la farm à fer. Et je vous reprends une fois que tous les items sont réunis. Oh, il y a un chat, les gars! Regardez! Attendez, je vais essayer de l'adopter. Faut quoi déjà? Faut... Non, il va dans les caves. Attendez, je vais vite chercher du poisson, je crois que c'est du poisson qu'il faut. Bon, j'espère que 10 saumons crus, ça va suffire. Monsieur le chat! Tiens, j'ai des trucs que t'aimes bien. Oh, mais viens! Oh, mais le raciste! Je pue, c'est ça? Viens, mais bouffe la poscaille! Tu vas devenir mon chat, t'as pas le choix. Mais il va se suicider, ce fou, il est fou. Allez! Oh, let's go! Oh, let's go! Regardez comme il est piégé avec ses yeux bleus, là. Eh, viens avec moi, je vais te mettre dans la base tout de suite. Mais il y a un autre chat, là-bas. Oh, j'espère que j'ai assez de poissons. Oh, let's go! Oh, j'ai deux chats. Let's go! Je vais pouvoir les reproduire. Attendez, je vais les mettre avec les villageois. Par contre, l'autre chat, il est passé où? Hop, là, on va le mettre assis, ici. Oh, il est là! Regardez, qu'est-ce qu'on a trouvé! Let's go! Oh, les deux potes qui sont assis à côté. Eh, mais les gars, je viens de remarquer, on a passé les 200 jours. Incroyable! Ah oui, et vu qu'on aura besoin de deux zombies dans la farm à faire, j'ai donc décidé de renommer les zombies avec deux pseudos d'abonnés random. Donc, si vous aussi, vous voulez voir votre pseudo apparaître dans cette survie, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Bon, alors, cet endroit me paraît plutôt pas mal pour construire la petite farm à faire. Par contre, le problème, c'est qu'il y a un peu de relief, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu aplatir le paysage. «
Bon, on a aussi une problématique qu'il va falloir qu'on gère, c'est qu'il va falloir qu'on ait en tout 12 villageois. Et je vous mens pas que j'ai la flemme de déplacer 12 villageois de ma base jusqu'à l'endroit où on va construire la farm à fer. Donc je sais pas si vous pouvez le voir juste en haut de moi, mais en réalité, en haut de cette montagne, il se trouve un petit village avec pas mal de villageois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en récupérer deux, on va les foutre ici, et on va pouvoir les reproduire jusqu'à ce qu'on en ait 12. Bon, premier villageois, toi tu viens avec moi. Let's go, premier villageois. Et deuxième villageois, parfait. Ah ouais, en plus j'ai pris deux idiots du village, eh, ça se voit bien que c'est des idiots du village, regardez comme ils sont coincés. Attendez, je vais essayer de pas les taper. Ok, parfait. Bon, pendant que les deux zoulous vont se reproduire, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à construire la farm à fer. Parce que j'ai pas que ça à foutre de vous attendre. Alors, the money. Bon, voilà, on a construit la partie portail de la farm. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire la partie où vont siéger les villageois. Bon, voilà, les 4 trucs pour accueillir les villageois sont en place. Maintenant, il faut mettre les villageois dedans. C'est ce qui va être le plus compliqué. Souhaitez-moi bonne chance, s'il vous plaît. Premier villageois, deuxième, troisième, cinquième. Ouais, ok, j'ai définitivement pas compté, en fait. Bon, voilà, les villageois sont enfin en place. Alors, je vous mens pas, j'en ai tué quelques-uns sur le process. J'espère que vous m'en voudrez pas. C'était franchement très compliqué. Bon, maintenant on va devoir faire les genres de petites chambres qui vont accueillir les zombies. Du coup, là il fait nuit, j'attends que les zombies spawnent et on va pouvoir les mettre dans leurs petits abris que j'ai construits au préalable. Voilà, donc premier zombie en place, Zextron, bienvenue à toi. Et deuxième zombie, X Herobrain Cool X, bienvenue à toi. Ok, donc normalement après avoir dormi, il devrait pas brûler. On va essayer, je vais aller dormir en deux spi. Ok, parfait, tout marche super bien. Bon, maintenant passons à l'étape la plus intéressante, allumer. Les portails du Nether. Oh non, regardez où le portail a atterri. Oh là là, bavure. Bon bah va falloir que je fasse ma farm à fer ici. Bon, voilà la chambre qui va accueillir les... Ok, ils sont vénères. Qui va accueillir les golems. Donc normalement tout est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à la farm. Bah vous savez quoi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va AFK ici. Et on verra si tout fonctionne. Bon, après ça, j'ai eu un petit problème de micro, donc en gros, je vais vous reconstituer la scène. Là, par exemple, je sors de ma cage en verre. Après ça, je vais dans le Nether, il me dit « Oh bah dis donc, j'espère qu'il y a beaucoup de fer qui m'attend. » J'ouvre les coffres. « Oh, mais c'est qu'elle marche super bien, cette farm à fer. Nickel !» Bon bah, apparemment, là, il y a un moment où je vous parle, mais je me souviens plus trop de ce que j'ai dit. En tout cas, ça avait l'air important. Alors là, je me suis rendu compte que j'avais plus de patates. Donc je suis allé dans le Nether pour aller chercher des blocs d'os. Beaucoup de blocs d'os que j'ai transformés en poudre d'os pour pouvoir faire pousser des patates. Et attendez, c'est intelligent, hein. Comme ça, j'en ai la blinde pour pouvoir nourrir mes villageois et aussi me nourrir accessoirement parce que je fonctionne pas à l'eau, quoi. Bon, après ça, en gros, direction dans les mines parce que, je vous rappelle, j'ai quand même 2,5 sacs de blocs de diamants à récupérer pour un beacon. Franchement, je sais pas pourquoi je me suis lancé là-dedans, mais il va bien falloir le faire un moment et je crois bien que le moment est venu. Bon, cette fois-ci, je vais adopter une stratégie un peu plus smart. Ce que je vais faire, c'est que à peu près tous les 10 blocs, je vais creuser un peu comme ça sur le côté. Et en général, ça marche plutôt bien pour trouver du diamant. Bon, là, ça a peut-être pas marché, mais regardez, je vais le faire et à un moment, ça va bien marcher. Ah, bah, qu'est-ce que j'ai dit? À un moment, la technique, forcément, elle finit par marcher. Bon, certes, j'ai dû creuser pendant un petit bout de temps d'abord, mais ça finit par payer, la méthode. C'est qui mine du diamant alors qu'il a un contrôle de main? C'est Victor. Ouais, bravo. Il a pas d'avenir, let's go. Franchement, je pense que si on me propose un stack de diams ou le bac, le choix est vite fait. Je prends les diamants direct. Y'a pas à réfléchir, hein. C'est moi, c'est les diamants avant tout, hein. Donc c'est parti, 8 heures du montage, si t'as pas la flemme. Petit montage de minage de diamants dans 3, 2, 1. Bon voilà, j'ai réussi à récupérer un stack et 3 diams. Alors ça m'a pris approximativement une heure. Et le problème, c'est que je veux à peu près une dizaine de stacks. Donc théoriquement, ça devrait me prendre une dizaine d'heures. Franchement, souhaitez-moi bonne chance parce que je vais bien souffrir. Bon, jour 2 de miner en ligne droite pour voir du diams. Alors, hier soir, je me suis arrêté à 4 stacks et demi. Franchement, je me suis mis plutôt bien. Bon, je me suis peut-être couché à 2h du mat aussi. Alors, mon contrôle de ce matin, est-ce qu'on peut ne pas en parler, s'il vous plaît? Moi, je veux juste avoir tous mes diamants et qu'on me laisse tranquille, qu'on me parle plus de ce fichu contrôle. Maintenant, on sait pas si c'est passé. Moi, je veux mes diams. Là, ça fait, allez, je dirais 30 secondes que je viens de miner. On commence direct du diams. 1, 2 et 3. Oh, 4. Eh, pas mal. Bon, je vais pas vous remettre à chaque fois que je trouve du diamant parce que je pense que vous connaissez la chanson. Oh, les gars, croyez-moi ou non, hier, quand j'ai miné, j'ai trouvé des filons de 12 diamants. Là, j'ai pas de preuves sous les yeux, mais faudrait que je retrouve dans les recs. Mais je vous promets, à un moment, j'ai trouvé des filons de 12. Bon, les amis, j'ai trouvé une sorte de grotte. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se balader dedans et on va
dois voir combien de diamants je peux trouver à l'intérieur. Donc ouais, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des shaders parce que c'est beaucoup, beaucoup plus simple de trouver des diamants dans ce genre de grotte. Je vais vous montrer. Vous voyez, on voit seulement les minerais, donc dès qu'on passe devant, forcément qu'on verra le diamant. Et regardez, on passe là et on le voit dans la périphérie à droite. Bon bah voilà, comme vous pouvez le voir en haut à droite, on a réussi à récupérer tout ça de diamants. Alors je vous mens pas qu'en jouant, j'ai pas trop compté ce que j'ai récolté, mais je pense que ça doit être aux alentours de 40, si mes estimations sont bonnes. Bref, ça n'empêche qu'on doit encore trouver pas moins de 5 stacks, donc faut clairement qu'on se mette au boulot. Les gars, je viens de sortir pour aller chercher de la bouffe parce que comme vous pouvez voir, je n'ai quasiment plus. Regardez sur quoi je tombe. Non mais, wow, attendez, je vais regarder ma position. On est en 9000. Oh bavure. Mais on est beaucoup trop loin de la base là. Bah attendez, je vais peut-être tuer les vaches du coup pour me faire de la bouffe. Bon les gars, ça fait beaucoup d'heures, beaucoup trop d'heures que je mine du diamant. Comme vous pouvez le voir, je suis à très peu de diamants de finir. Franchement, j'ai hâte parce que là, j'en peux plus. Il m'en faut encore 28. Bon, je devrais finir ça dans, allez, je dirais une demi-heure, trois quarts d'heure. Et bah, vous savez quoi? On va faire ces diamants ensemble, vous allez souffrir avec moi. Donc ça va faire 37 diamants, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Du diams. Oh, s'il vous plaît, faites qu'il y en ait assez pour que ce soit les derniers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh non! Il m'en faut encore 2! Punaise, si j'avais cassé ces diamants avec la pioche touchée de soie, on en aurait déjà fini. Oh non, misère. Oh yes. Oh, déjà. Oh, faites qu'il y ait au moins 2 diams. 1. Non, 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 non. Il n'y en a pas qu'un. Ok. Ok, let's go. C'est le dernier diams. Oh, non, pile poil en plus. Oh, dinguerie. Attendez, on va aller tuer les zombies pour la peine. Pour fêter ça, on va tuer les zombards. Wouh. Wouh. Mais pourquoi il m'a... Wow, wow, wow. Pourquoi il m'arrive toujours des trucs de fou, moi? Bon, allez, j'en ai marre. Remonte à la surface, là. J'en ai trop marre. Oh, yeah, c'est de la terre. Enfin, la surface. Oh, let's go. Bon, par contre, les gars, comme vous pouvez le voir, on est en 11 000. Sachant que ma base se retrouve en moins 1800. Si je suis pas si mauvais que ça en maths, j'ai 13 000 blocs à parcourir. Sauf que, comme vous pouvez le voir, j'ai pas prévu le coup. J'ai plus du tout de feu d'artifice. Et je vous mens pas, j'ai pas envie de refaire retour arrière à travers les tranchées que j'ai creusées. On va tout simplement attendre d'être la nuit pour avoir des creepers et récupérer des poudres à canon. C'est le seul moyen de rentrer vite chez nous. Bon, j'ai pu me faire que 12 feux d'artifice. Évidemment que ça va pas suffire. Évidemment qu'il va bien falloir que je m'en refasse. Mais on va déjà commencer à rentrer avec ça. Et surtout qu'on a vraiment pas mal de chemin. Non mais surtout, ce qui est fou, c'est que j'arrive pas à me concevoir que j'ai eu la débilité de creuser tout ce que... Là, tout ce que vous voyez, toute la longueur que vous voyez, tout ce que je suis en train de parcourir, là, je l'ai creusé. Là, on a déjà fait, allez, 500 blocs. Tout ça, faut... J'ai mal au cerveau. J'ai plus envie de calculer. J'en peux plus. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ah bah tiens, on retombe sur l'île d'avant. Sur l'île aux vaches soupe. Je sais pas comment. Et les gars, mon cerveau, il fonctionne plus là. Là, carrément, je suis atteint. Bon bah voilà, j'ai plus de feu d'artifice. Le soleil est en train de se coucher. Va falloir que je récupère la poudre à canon. Bon, je pense que 15, ça devrait suffire. Ouais, 45 fusées, en plus je me fais attaquer. Non merci. On va rentrer à la maison pour de bon, c'est parti. Oh, ça y est, let's go. Oh, incroyable. Oh, le chemin, comme il était long. On prouve la durabilité de mes élytras, mais... Oh, let's go. Oh, ça fait tellement plaisir de rentrer. Je crois que j'ai jamais été autant heureux de rentrer à la maison, là. Bon, maintenant, j'imagine que c'est la question que tout le monde se pose. Victor, pourquoi tu as gardé tout un minerai de diamants des abîmes? Eh bah, en réalité, c'est pour pouvoir tous les empiler et pouvoir les casser d'une traite avec ma pioche en netherite. Ah oui, j'ai oublié. Fortune 3, en plus. Donc déjà, 2-1, ça va être satisfaisant. Et de 2, ouais non, ça va être juste satisfaisant, en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une genre de petite tour qui monte le plus haut possible. Et on va voir jusqu'à où ça va aller. Attention, au début, ça ressemble à ça. Et après, ça ressemble à ça. Par contre, j'espère vraiment que ça va suffire pour un beacon. Parce que si ça suffit pas, je mets fin à mes jours, tout simplement. Et surtout, il y a un truc que je veux faire, c'est installer un beacon. Parce que, en vrai, on s'en rend pas compte. Mais malgré le fait que j'ai une pioche efficacité 5, ça prendra quand même un peu de temps. Bon, bah, c'est parti, maintenant, au boulot. «
Ok, bon. Je pense qu'on a assez de diamants pour notre vie entière. D'ailleurs, je pense que pour deux vies consécutives, on a assez de diamants. Si à un moment dans cette survie, il m'arrive de retourner aller miner du diamant, je vous autorise à m'insulter librement dans les commentaires. Voilà, donc en tout, avec tout le reste de mes diamants, ça donne ça. Je vais tout assembler pour voir si ça fait assez pour un beacon, mais normalement, ça devrait être good. Oh oui, ça fait assez, mais regardez ce qu'il me reste comme diamant. Oh là 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 là, ça bouffe tellement de diamants, c'est un truc de fou. Au moins, la bonne nouvelle, c'est que j'ai mon deuxième beacon. Enfin, mon troisième, parce qu'avec... Bah attendez, je vais chercher le fer pour faire mon beacon en fer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre aussi l'étoile du Nether qu'on a reçue en battant le Wither dans le dernier épisode. D'ailleurs, allez le voir pour ceux qui l'ont pas vu. On pose le beacon en or juste ici. Ok, on a aussi les blocs de fer pour faire le beacon en fer. Mais deux petits problèmes, j'ai vraiment pas assez d'émeraude pour faire un beacon en émeraude et il me manque encore deux étoiles du Nether pour pouvoir faire deux beacons. Donc du coup, prochaine étape, avoir beaucoup d'émeraudes avec tous mes villageois. Bon, j'ai pris tous les bambous de la farm à bambous pour en faire des bâtons et les vendre aux villageois. Alors par exemple ici, il y a un fléchier que j'ai fait précédemment, on va lui vendre tout ça. Et effectivement, c'est pas très glorieux ce qu'il me donne en émeraude comparé à ce que je lui donne en bâton. Quel radin ces villageois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en mode industriel, je vais transvaser quelques villageois là-bas. Bon, technique de rat, mais technique qui fonctionne. J'ai pris tout le charbon des fours, j'ai fait un armurier. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vendre du charbon pour des émeraudes, parce que là, c'est vraiment la crise. Oh, dinguerie, il vend des lingots de fer contre des émeraudes. Oh, c'est incroyable. Bah, attendez, je vais arrêter de vendre mon charbon et je vais lui ramener tous les lingots de fer de la planète. Il est pas prêt, le ref. Ah, mais les refs ne sont clairement pas prêts, hein. Ils m'ont demandé des lingots de fer, mais ils vont en avoir, c'est fou, hein. Ouais, non, par contre, un diamant pour une émeraude, faut pas abuser, mon ref, faut pas abuser. Bon, voilà, j'ai réussi à en avoir 5 qui me vendent tous des émeraudes. Bon, il y en a où c'est plus ou moins cher, il y en a qui m'arnaquent. Ça varie, mais c'est quand même sympa parce que, en vrai, des lingots de fer, j'en ai autant que je veux, quand je veux. Bon, là, on va faire un tour des échanges avec eux et on va voir au final combien on arrive à avoir d'émeraudes. Donc sur ce tour, j'ai réussi à avoir un stack et 8 émeraudes. Et franchement, c'est super rentable quand on y pense. Let's go! Enfin! Oh là là, j'en ai marre. Regardez comme ils m'ont arnaqué. Ils sont passés de 4 lingots de fer à 12 lingots de fer tellement j'en ai échangé. J'en peux plus, ils m'ont trop arnaqué, ils m'ont tout vidé en lingots de fer, je n'ai quasi plus rien. J'ai assez pour faire 2 blocs d'émeraude, effectivement j'ai assez. Oh là là, magnifique. Magnifique, on a tous les beacons, maintenant il manque juste à faire les balises, et ça sera good. Enfin, presque. Ce qu'on va aller faire maintenant, c'est qu'on va aller dans le Nether, parce qu'on a encore besoin de 6 têtes de Wither, et oui c'est pas mal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aménager cette forteresse, pour qu'il y ait plus de Wither squelettes qui spawnent. Allez, c'est parti! Bon bah voilà, on a un peu amélioré la forteresse, je sais que je peux bien faire mieux, mais le problème c'est que ça me prendrait 20 plombes, donc du coup on va se contenter de ça, et on va déjà voir si les Wither squelettes spawnent plus avec cette méthode. Oh ah oui oui, ah oui effectivement ouais, ça spawn, wow, ça spawn 3 fois plus. Bon bah première tête, deuxième tête, troisième tête, quatrième, cinquième, et sixième, let's go, on a toutes les têtes. Et maintenant il faut qu'on batte 2 Wither. Parfait! Eh, c'est incroyablement satisfaisant de faire des Wither, c'est trop bien. Et voilà, on a nos 2 balises, let's go! Mais regardez-moi ça, on a nos 4 beacons, les gars, c'est incroyable! Mais attendez, c'est pas fini, parce que ces 4 beacons, faut qu'on les installe. Bon, je pense avoir trouvé un petit endroit où on va pouvoir construire notre petit monument avec tous les beacons dessus. Donc je pense que je vais le faire ici, je vais un peu dégager la zone, et après on fera la petite construction, vous allez voir. Ça va être stylé, je pense. Bon, au début, ça ressemble à ça, et après, le truc des beacons, ça ressemble là, ça. Alors, ok, bon, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Là, vous allez dire, ouais, mais c'est super moche, Victor, surtout avec cette vieille pierre. Alors, ce qui se passe, c'est que à la place de cette pierre, je vais mettre les beacons. Bah, d'ailleurs, on va s'empresser d'aller les chercher. Et voilà, avec les beacons, ça rend un peu mieux. Maintenant, il manque juste à mettre les balises au-dessus, et ça devrait être good. Alors, voici le beacon en entier, en émeraude, en fer, en diamant, ainsi qu'en or. Et voilà, c'est...
En fait, on se rend pas compte, mais la tonne de travail qu'il y a là-dedans, oh, c'est terrible. Et vous allez me dire, mais ouais, Victor, regarde, tu marches sur une plateforme, c'est un peu vite, ça fait un peu moche. Mais ça, les gars, ce sera pour le beacon en Azurite. Alors, j'ai pas fait le beacon en Azurite dans cette vidéo parce que clairement, ça prend 6 mois à le faire. Et je plaisante pas, il y a des youtubeurs américains qui l'ont fait et qui ont réellement pris 6 mois à le faire. Donc, du coup, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'au fur et à mesure des épisodes, on va éliminer de la Azurite. Et je pense que, au final, eh ben, on sera capable, au final, de faire un beacon en Azurite. Attendez, je vais juste vous faire un tour hein, de la montagne qu'on a à abattre. Donc, bien évidemment, c'est celle-là. Elle paraît pas si grande comme ça, mais je peux vous assurer que ça va être pas mal de boulot. Donc, sans plus tarder, commençons à nous activer pour pouvoir nous débarrasser de cette montagne. Et ce qu'on va avoir besoin pour faire ce chantier, c'est bien évidemment 4 beacons. Et là, vous allez me dire, ouais, Victor, je sais pas pourquoi tu te fais chier. Tu peux aller chercher les beacons que t'as utilisés dans la dernière vidéo, tu t'embêtes. En fait, les beacons qu'on a fait dans la dernière vidéo, c'est plutôt de la décoration. Et surtout, c'est drôle d'avoir plein de beacons. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 4 beacons, ce qui va nous en faire 8 au total. Et ça veut dire du coup qu'il faut que je récupère pas moins de 16 têtes de Wither Squelette. Franchement, souhaitez-moi bonne chance, parce que je vais bien souffrir. Bon, monsieur le Blaze, je sais pas ce que t'as contre moi, regarde. Je suis inoffensif, carrément, je jette mon épée, je te montre, je suis un mec pacifiste. Je ne veux que ton bien, en fait, je veux que ton bien, regarde. Attends, viens, on prend une petite photo. Voilà, tac, arrête de me taper, petite photo, parfait. Par contre, tu prends la confiance, j'ai l'impression, donc tu recules. Bon allez, maintenant c'est à votre tour les garçons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Enfin, en fait, vu que je pue la merde en mathématiques, et j'en ai compté 16 au lieu de 12. Alors qu'en réalité, c'est vraiment 12 qu'il en faut. Parce que 3 fois 4, ça fait bien 12. On est d'accord, non? Et vu que je suis original, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller battre les 4 Wither en même temps, au lieu d'aller simplement les battre dans l'end. C'est beaucoup trop facile. Voilà comment on va battre les Wither. On va les battre à main nue, les 4. C'est parti, attention! Là, faut que je me casse parce que... Oh, je crois que je vais regretter ce que je viens de faire, là. Je vais regretter. Bon, souhaitez-moi bonne chance parce que là, ça va être compliqué. Oh my god, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai créé? Oh, bavure. Attendez, je vais peut-être mettre mon totem d'immortalité. Attention. Moins un, déjà. Moins un. Attendez, on va prendre la... L'étoile du Nether. Parfait. Bon, je vais faire à l'arc parce que... À l'épée, je me fais complètement déchirer. Par contre, là, il m'attend juste là-haut. Eh, c'est des fourbes, hein. Ils sont fourbes. Attendez, on va peut-être s'occuper de celui là-bas. T'es mort. Oui, let's go. Allez, il en reste plus que deux. Oh, je l'ai fait dans un coin. Let's go. Allez, c'est bon. Je me laisse pas faire. J'ai un maker. Wow, il a utilisé mon totem. Il est fou. Vas-y, let's go. J'ai pas le choix. Faut que j'y aille comme ça. Let's go! On a enfin nos 4 étoiles du Wither pour pouvoir faire nos 4 petits beacons en fer. Attention, voici nos 4 petites balises. Let's go! Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment pas assez de fer pour pouvoir faire 4 beacons en fer. Donc du coup, direction la ferme à fer pour pouvoir AFK jusqu'à avoir assez de fer pour pouvoir faire 4 beacons en fer. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait autant de blocs de fer que ce qu'il y a là-bas. Franchement, c'est plutôt abusé. Attention, est-ce qu'on a eu assez de fer après tant et tant d'heures d'AFK? Ok, je me suis pris le mur, un plaisir. Attention. Ouh, attendez, on va pas s'avancer, je crois que c'est même pas assez en plus. Ah mais j'ai que assez pour faire uniquement 2 beacons. Va falloir que je re-AFK encore à un certain moment. Mais en fait là je vous mens pas, ça commence un peu à me saouler d'AFK, donc ce qu'on va faire c'est que en fait, je sais pas, j'ai envie de passer level 100, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va améliorer ma farm à Enderman pour qu'elle produise un peu plus que ce qu'elle ne produit déjà. Donc laissez-moi réunir les matériaux qu'on aura besoin et après allons la construire tous ensemble. Donc du coup, cette fois-ci, j'ai besoin d'une étiquette avec un nom. Donc du coup, j'ai décidé de le renommer comme un abonné qui s'appelle Salami de Wish. D'ailleurs, il y a une petite faute dans ton prénom. Il me semble que Salami, ça s'écrit pas avec un E. Donc voilà, je suis désolé, tu auras le rôle d'un Endermite dans ma survie. C'est pas si grave que ça, en vrai. Tu vas être utile, tu vas voir. Bon, première chose, il faut déjà qu'on enlève l'ancienne farm parce qu'on va construire la nouvelle farm à la place. Ça devrait pas être compliqué, ça devrait être même plutôt amusant. Bon, maintenant que c'est détruit, construisons la nouvelle farm, c'est parti!
Les gars, regardez comme elle est tellement mieux cette femme comparée à l'autre. Mais regardez ce qui se passe, c'est que on les one tap à chaque fois. Donc du coup, on a un montant infini d'XP et on va monter très très vite au niveau 100, regardez. Et en plus, ça répare tous mes outils en un rien de temps, c'est incroyable. Regardez, par exemple, je vais vous montrer l'exemple avec cette petite pioche en diamant. Alors, elle est mid-life. Je tue un peu d'Enderman, voilà, comme ça. Ça respawn tranquille. Pendant ce temps, j'avale tout mon XP dans ma pioche. Regardez comme ça monte. Regardez, regardez. C'est n'importe quoi. Et voilà. Notre pioche est full, un plaisir. C'est limite du cheat cette farm, mais on adore. Bon, seul petit inconvénient, c'est qu'à la fin, tu te retrouves avec 3 tonnes d'enderpearls dans ton inventaire. Bon, bah ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va farm jusqu'à avoir 100 niveaux. C'est parti! Attention! Oh, toute l'XP! Oh, level 100, let's go! Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai installé une petite endroit d'enchant, parce qu'avec toute cette XP, bah, on va bien évidemment enchanter un maximum notre stuff. Bon, souvenez-vous, dans le dernier épisode, on a construit 4 beacons. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, on a aussi le but de faire un beacon en netherite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers la farm à Creeper, et on va aller à FK pour aller miner un peu de netherite. Bon, bah, à tout de suite. Bon, voilà, on finit avec 10 stacks de TNT, c'est franchement pas mal. Et j'espère rentrer avec un bon petit montant de netherite. Oh, premier ancien débris. Allez, c'est parti, attention, ça va péter. Les gars, petite pause. J'étais en train de miner pour la netherite, j'avais un morceau de netherite. Là, je creuse pour voir s'il y en a plus et regardez sur quoi je tombe. Non mais, t'as dévissé. Est-ce que cette probabilité... Attends, on tombe vraiment sur une forteresse là? Non. Mais on est vraiment tombé sur une forteresse. Regardez comme je suis bien caché en plus, vu que je suis en netherite, ça se fond bien dans le décor. Bon, trêve de plaisanterie, maintenant retournons miner parce que on n'a pas que ça à faire que d'atterrir dans les forteresses du nether. Bon, j'ai réussi à avoir un tout petit peu plus qu'un stack de débris antiques, ce qui est franchement plutôt respectable. Et c'est parti, go faire cuire tout ça maintenant. Hop là, on ajoute ça à la collection, et franchement, ça commence à avancer plutôt pas mal. Bon, par contre, faut pas que je commence à prendre la confiance, parce qu'il va me falloir beaucoup, beaucoup plus de netherite que ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter des fioles d'expérience. Comme ça, pendant que je casserai la montagne, je vais pouvoir heal mes outils sans bouger. Ça veut dire que j'aurai pas besoin d'aller jusqu'à la farm à Enderman dans l'End pour réparer mes outils. J'aurai juste à prendre les fioles d'XP et à les splasher par terre pour tout simplement réparer ma pioche ou ma pelle. Franchement, avouez que c'est smart quand même. Donc voilà, c'est le prêtre qui va venir vendre les fioles d'expérience, tout simplement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste récupérer un peu d'émeraude chez mes potes les villageois. Bon voilà, là on a eu 24 fioles d'expérience, c'est pas beaucoup, mais ça fait déjà le taf. Mais je pense qu'on va en farmer un peu plus parce que je pense que ça ne suffira pas. Bon, vu que j'ai encore besoin de beaucoup beaucoup de fer pour faire encore 2 beacons et faire pas mal d'échanges pour avoir des bouteilles d'XP, et bah du coup on va AFK pendant un petit moment à la farm à faire. Ok, ouais, j'ai clairement assez pour faire tous mes beacons. Let's go, enfin j'ai tous mes beacons. Bon, j'ai pris un peu de marge au niveau du fer parce que j'en aurais aussi besoin pour finir mon stock de, comment on appelle ça, de bouteilles d'expérience, ouais c'est ça, pour pouvoir réparer mes outils comme je vous l'ai dit juste avant. Ouais, vous voyez, j'ai clairement assez pour faire mes 4 balises en fer, et en plus j'ai vraiment de la marge pour pouvoir faire des trades avec les villageois. Bon, vous voyez, je suis sur la montagne que j'ai envie de détruire, et en fait je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait 4 beacons. En fait, ce qui se passe, c'est que j'aimerais avoir S2, c'est ça, pour pouvoir casser instantanément tous les blocs, c'est-à-dire même la cobble. Et en fait, un beacon, ça suffira pas pour couvrir l'entièreté de la montagne, donc du coup, il va falloir que j'en mette un à chaque coin. Mieux vaut une image que 1000 mots, je vais les installer et vous allez mieux comprendre. Donc on en met un premier ici, un deuxième ici, un troisième ici, et un dernier ici. Donc comme vous pouvez le voir, la montagne est encadrée par 4 beacons qui normalement devraient couvrir toute la surface que prend la montagne. Bon les gars, j'ai quasi plus de lingots de fer, mais par contre, j'ai 2 stacks et demi de fioles d'expérience. Et j'espère franchement que ça suffira pour heal mes outils, mais normalement, vous inquiétez pas, ça devrait suffire. Bon, bah je crois que le moment fatidique est venu. Franchement, je vous mens pas, je suis un peu stressé, je sais pas pourquoi, j'ai une petite pression. Parce que je pense que je réalise pas encore la taille du projet que c'est de vouloir détruire une montagne entière. Bon, par contre, heureusement qu'il y a Célérité 2 qui va bien m'aider, parce que sinon, j'en aurai encore jusqu'en juillet. Et pour vous tenir au courant, là on est encore en mars. Bon, nous sommes jour 347, je sais pas quand j'aurai fini, mais j'espère que ça dépassera pas les jours 400, parce que franchement, je vais pleurer du sang après. Donc attention, c'est parti, minons les premiers blocs. Et c'est parti, ça commence. C'est lancé! Oh là là, c'est incroyable! Et dire que je vais faire ça pendant les prochaines heures qui suivent, ça me rend pas si heureux que ça. Bon, premier étage effectué, c'était franchement facile. Après, si le premier étage est dur, faut que je commence à m'inquiéter. Hein. Par contre, les animaux, c'est pas que je vous aime pas, hein, c'est que vous allez me déranger, donc au revoir le mouton. Et c'est parti, attaquons-nous à la deuxième couche. Et ça y est, couche 3, on commence déjà à avoir apparaître de la cobblestone. Bon, faut que je profite un peu plus quand je mine de la terre parce que je pense que c'est la cobblestone que je vais miner le plus. Bon allez, trêve de bavardage, occupons-nous maintenant du troisième layer.
Bon, ça y est, maintenant attaquons-nous au quatrième layer et regardez ce que j'ai remarqué. Du charbon! L'avantage du charbon, c'est que je vais pouvoir déjà de 1 le récupérer et le stack pour ma super fournaise et de 2 je vais pouvoir heal mes instruments avec. Parce que comme vous pouvez le voir, ma pelle est déjà mal en point et j'ai la flemme d'utiliser mes fioles d'expérience alors qu'il me reste encore une montagne entière à détruire. En vrai là je suis en train de me réjouir parce que je vois que j'avance plutôt pas mal. Mais le problème c'est qu'il faut que je me rende compte que à chaque fois que j'enlève un layer, et bah du coup celui d'en dessous il s'agrandit. Donc ça veut dire que plus j'avance, plus les layers sont gros et plus ça va être long. Bon, petit imprévu que j'avais pas prévu. C'est pas très français. Regardez ma pioche, regardez ma pelle, regardez mon inventaire, je n'ai plus aucune fiole d'expérience. Donc du coup, va falloir que j'aille réparer ma pioche ainsi que ma pelle autrement. Bon, faisons un exercice que j'aime bien faire. Ça s'appelle la disparition. Vous savez pas ce que c'est? Je vais vous montrer. Au début, ça ressemble à ça, et après, ça ressemble à ça. Ok, bon, j'ai vraiment bien avancé. Bon, après, il me reste encore pas mal d'étages. Franchement, j'ai plutôt kiffé le faire. Je pensais que j'allais beaucoup plus galérer que ça. Après, là, je parle, mais là, je vais attaquer les étages qui font mal au crâne. Hein. Regardez comme ça, comme ils sont gros comparé à avant. Bon, je sais que vous voyez pas trop à quoi ça ressemble de base, mais là, ça va faire mal. D'autant plus que je vais essayer de descendre jusqu'à là. Enfin, je verrai bien. Voilà, je voulais vous montrer un peu mon avancée. De toute façon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer en timelapse et vous allez voir comment c'est stylé. Bon bah on continue hein, c'est parti. Ok bon, aujourd'hui c'est le jour 2, je pense que je vais pouvoir finir, enfin normalement. Parce qu'en vrai, on dirait pas, mais j'ai encore pas mal de layers à enlever. Et d'ailleurs, le pire, c'est que c'est les plus durs. Donc là, je suis en train de regarder à peu près. Ouais, j'en ai à peu près une vingtaine. Et je pense que ça va me prendre pas mal de temps. Bon, là, je sais pas ce que je fais, je sais pas ce que j'attends. Je vais directement me mettre au boulot, parce que sinon, ça va me prendre des plombes encore. On fait une timelapse? Ouais, les petites timelapses. Bon les gars, petite complication que j'avais pas prévue. Là j'arrive comme on peut le voir à la dernière couche au niveau d'ici. Sauf que petit problème, au niveau de cet endroit où j'ai envie que ça soit à peu près plat par ici, et bah on a encore pas mal de chemin à parcourir. Donc je pense qu'il va falloir faire une découpe ici pour séparer la montagne bah, du plat que cette ancienne montagne va devenir. Enfin je sais pas si vous avez très bien compris mais bon, je vais essayer de le faire comme je peux et vous allez comprendre au final. Bon, vous allez pas me croire, aujourd'hui, on est le jour 3, j'ai bien avancé hier, mais dites-vous, je suis déterminé à finir aujourd'hui parce que clairement, cette montagne, je peux plus me la taper. Je ne peux plus la voir, cette fichue montagne. Comme vous pouvez le voir, il reste encore une petite poignée de couches, je dirais à peu près 3, donc franchement, ça devrait être vraiment plutôt rapide. Bon, pour le troisième jour d'affilée, on s'y remet, c'est parti. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une genre d'impression d'avoir fait ça pendant les deux derniers jours. C'est bizarre, vraiment, cette impression de vue, de revue. Franchement je vous montre pas tout de suite quel jour on est. Mais ça a vraiment dépassé l'entièreté de mes attentes. Je vous le montre pas tout de suite parce que je tiens accessoirement au watch time. Mais franchement juste préparez-vous hein, parce que c'est aberrant carrément. Donc du coup au début la montagne ressemble à ça. Et après ça ressemble à ça. Ok je sais que ça paraît pas un gros avancement. Mais ça m'a quand même pris 2 heures. On dirait pas. Mais c'est trop long les gars j'en peux plus. Mais on a fini. On a fini d'enlever la montagne. Et après c'est pas une raison de quitter la vidéo pour autant. On a encore pas mal de choses à faire. Comme par exemple remettre de la terre pour que ça fasse un grand petit terrain tout plat. Ou d'ailleurs on va pouvoir construire un tout nouveau truc. Et d'ailleurs ce nouveau build vous allez pouvoir le choisir. Parce que vous allez pouvoir proposer en commentaire vos idées. En fait tout simplement je choisirai l'idée qui me plaira le plus. Et qui aura le plus de likes. C'est parti, on n'attend pas plus parce que là, ce projet commence à me sortir par les trous de nez. Bon, les gars, petit problème, j'ai fait, je dirais, aller la moitié de la zone, sauf que petit problème, j'ai plus du tout de terre. Donc ça veut dire dans mon inventaire déjà j'en ai plus et dans mes coffres j'ai absolument plus rien. Donc je sais pas comment je vais faire, je vais peut-être prendre de la montagne là-haut. Ouais je vois vraiment pas comment je vais faire. C'est vrai que je suis un peu emmerdé là pour le coup. Bon j'ai ramené mes 10 shulker box, ça sert peut-être un peu à rien de les remplir les 10. J'ai peut-être voulu flex un petit peu. Mais bon on va au moins en remplir 2 ou 3 et j'espère que ça sera assez pour l'espace qui reste derrière moi. Franchement croisons les doigts et je tiens à dire que j'ai envie de me tirer une balle. Parce que ce projet commence vraiment à me saouler. Bon bah voilà j'ai fait aller
à peu près 3 shulkers. Bon, on va pas chipoter pour les 4 stacks que j'ai à faire. Franchement, j'ai assez détruit cet endroit. Et franchement, je commence à en avoir marre d'utiliser ma pelle et ma pioche. Et je pense qu'on va sans plus tarder se diriger vers la fin de notre petite montagne. C'est parti! Attention, je m'apprête à passer les derniers blocs de cette punaise de vidéo. Oh, incroyable. Ce projet a pris tellement de temps. Bon, je pense qu'on est tous d'accord que ce village, il fait un peu tâche. On va pas se mentir, il fait un peu tâche. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais l'enlever. On va rejouer au jeu de la disparition. Alors au début, ça ressemble à ça. Et après, ça ressemble à ça. Ok, bon, j'ai un peu aplati en plus. Donc ça m'a pris un peu plus de temps. Je dirais, allez, je regarde mon rec là. Ça fait une heure. Ouais, une bonne heure. Ouais, ça fait chier. Mais regardez, là, ce qui est cool, c'est qu'on a un terrain entier pour pouvoir construire votre idée. Donc n'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires si vous avez des bonnes idées, parce que je sais que vous en avez de toute façon. Bon, je suis allé dans un nouveau monde avec la même seed pour voir à quoi ça ressemblait au début et après, donc voilà. Donc au début, le monde intact avec la montagne intacte, ça donne ça. Et après, ça donne ça. Et voilà, ça y est, on a fini. On a officiellement enlevé cette montagne qui nous posait pas tant de problèmes que ça, en fait, au final. Et regardez quel jour on est jour 431. Je me souviens plus c'est quoi le jour précis qu'on a commencé. Mais en tout cas, je comptais pas dépasser les 400 jours. Et là, on les a plutôt bien dépassés. J'aimerais aussi vous montrer le nombre de pierres que j'ai pu miner. Et c'est assez aberrant. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez juste ici, plus de 230 000 pierres. C'est un truc de fou. C'est... C'est un quart de million. C'est... Oui, vous pouvez le dire, je suis au chômage. Malgré le fait que j'ai le bac cette année, hein, je sais pas si je vous l'ai dit, en tout cas j'ai le bac. Et je mine des montagnes, tout est normal. Ah d'ailleurs, ça aussi c'est intéressant, j'ai miné 34 484 terres. Ça aussi c'est... C'est pas mal. Donc là, je dirais que approximativement dans cette vidéo, j'ai miné plus de 250 000 blocs. Alors du coup, il y a quelques épisodes de ça, je vous avais parlé de faire quelque chose dans ce petit trou. Enfin, ce gros trou, excusez-moi. Alors bien évidemment, on va pas faire des projets avec de l'eau qui coule, laissez-moi réparer ça. Bon, on va directement s'y mettre parce que sinon ça va nous prendre 300 plombes. Et ce que je vais faire en premier, c'est bien évidemment un pont qui passe de là jusqu'à là. Bon, je pense que c'est assez compréhensible, vous êtes pas débiles. Maintenant, vu que ça va être une zone qui va être un peu type end, eh ben il va me falloir beaucoup beaucoup de matériaux qui viennent de la dimension l'end. Allons donc faire un petit tour dans l'end. Bon, ce que je vais faire, c'est bien évidemment premièrement mettre un beacon en place. Oh non, oh quelle merde, regardez comment je l'ai placé. Voilà, c'est plutôt ici qu'on le veut. Et bah j'ai pas de lingots, un plaisir en tout cas. Voilà, bon, normalement j'ai assez de lingots de fer. Si j'en ai pas assez, je comprends pas ce qui se passe. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit lingot de fer pour avoir célérité 2. Bon bah c'est parti, normalement j'ai tout ce qu'il faut dans les shulker box comme vous pouvez le voir et on va pouvoir commencer à faire ce pont. On va faire une timelapse à nouveau, c'est parti! Bon, c'est plutôt pas mal, ça ressemble à ce que je voulais, on va pas se mentir, il est un peu moche. On va faire les petits détails, les petites finitions. En gros, au début, ça ressemble à ça, et après, ça ressemble à ça. J'ai fait genre des contours, j'ai un peu plus détaillé à l'intérieur avec, regardez, j'ai changé de pierre de l'end, et franchement, je trouve ça rend vraiment pas mal. Évidemment, le projet se finit pas ici, sinon ce serait trop simple. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est que j'aimerais faire des genres de chaînes qui tombent jusqu'en bas. En fait, j'aimerais en faire plus précisément deux, une qui tombe ici et une qui tombe à peu près ici. Et franchement, je pense que vraiment, ça peut vraiment rendre stylé. D'autant plus qu'on va le faire en ardoise des abîmes polis, ça peut vraiment vraiment faire bien. Bon bah je sais pas ce que j'attends, c'est parti! Bon, ça y est, les chaînes sont faites, je trouve ça vraiment stylé, mais il y a un truc que j'aimerais rajouter. Et ouais, j'ai envie de rajouter des vignes, alors je sais pas où je peux trouver ça, mais je vais en trouver et je vais les rajouter, ça va vraiment faire stylé. Alors on est à, je dirais, à les 200 blocs de la farm à Creeper, et j'ai trouvé ce qu'il me fallait, mes petites vignes, elles sont là, je vais pouvoir les récupérer. Bon, c'est dans un emplacement assez bizarre qu'on se trouve pour placer nos petites vignes. Ne demande pas comment je me suis mis comme ça. Même moi, je le sais pas. Bon, c'est parti!
Bon, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va pas en placer trop, parce que le problème, c'est que ces vignes grandissent, et après, elles prennent beaucoup de place, en fait. Je pense qu'au final, eh ben, elles vont faire la taille des chênes. Pourquoi je suis tombé là-dedans? On en place une autre ici, une ici, et une dernière juste ici. Bon, il est sympa ce pont, mais moi, j'avais décidé à la base de faire une dimension qui ressemble à l'End. Et ce que j'aimerais faire, c'est un sorte de lac violet. Alors, je vais m'expliquer, bien évidemment, comme vous êtes censé le savoir, il y a aucun liquide qui est violet sur Minecraft, à ce que je sache. Et donc, à ce que je sache, la meilleure façon de faire un genre de lac un peu genre brouillard, c'est de mettre des vitres de la couleur que tu veux. Donc là, en l'occurrence, ce que je vais utiliser, c'est du verre de couleur violet. Et ce que je vais faire, c'est que je vais empiler 5 couches de verre et normalement, ça devrait faire un genre de lac violet. Mais le problème, c'est que, comme vous pouvez le voir, le trou est plutôt pas mal grand. Et ce qu'on aura besoin, c'est pas moins de 6000 verres violets. Et donc ça fait à peu près 90 stacks. Donc j'ai calculé 90 stacks, c'est à peu près 3 shulkers et demi de sable. En vrai, c'est assez rapide. Mais alors, faut que je trouve cette quantité de sable. Et donc, du coup, en l'occurrence, il faut que je trouve un petit désert. On va faire des pelles en diamant arabe parce que je pense que malgré le fait que ma pelle soit solide, Solidité 3 et efficacité 5, je pense pas qu'elle va tenir longtemps. J'ai crafté 4 autres pelles, j'espère vraiment que par contre ça fera l'affaire. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'empresser d'aller dans l'End pour aller enchanter ces 4 petites pelles en diams. Bon, tout ça nous emmène en dessous du niveau 100, mais c'est pas grave, j'ai 3 pelles qui sont vachement cheatées maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est que en gros, on va prendre 4 shulker box de sable, donc du coup ça va nous faire 108 stacks de sable. Et si ces 108 stacks de sable, ça suffit pas pour pouvoir faire mon lac violet, je pète un câble. Bon, c'est parti, allons chercher ce fichu désert. Eh les gars, ça compte pour un désert ça ou pas? Eh franchement, on va pas se mentir, ça compte pas du tout pour un désert, mais je pense que ça devrait suffire là, non? Normalement, on a assez de sable là. Au boulot, c'est parti. Je crois que c'est bon. J'ai mes 4 shulker box de sable, un peu plus de 100 stacks. Mais je vous mens pas, je suis un peu dégoûté. Je suis dégoûté pourquoi? Parce que j'ai fait 4 pelles en diamant, j'ai utilisé pas moins de 15 XP. Tout ça pour ne pas utiliser mes pelles en diamant. Regardez, j'ai même pas réussi à finir ma pelle en netherite que j'ai réussi à avoir tout le sable qu'il me fallait. Donc pour faire plus de 108 stacks de verre violet, on aura besoin de 864 teintures violettes. Et pour faire ces 864 teintures violettes, on aura besoin de 432 teintures rouges et 432 teintures bleues. Bon, alors déjà pour les 432 teintures bleues, et ben on a ce qu'il faut, on a le lapis lazuli. Donc on aura besoin de 7 stacks de lapis lazuli qu'on va transformer en teinture bleue. Ça fait mal au cul, mais bon, c'est pas grave, comme vous pouvez le voir, on a vraiment pas mal de lapis lazuli. Et de toute façon, ça se retrouve assez rapidement. Mais là, ce qui va être un peu plus compliqué, c'est la teinture rouge. Et j'ai donc décidé de faire cette teinture rouge avec les coquelicots. Sauf que là, comme vous pouvez le voir, on a, allez, un stack et demi de coquelicots et il nous en faut 7 stacks. Et ces coquelicots, devinez où je les ai eus. Vous avez bien deviné, c'est dans la farm à fer. En fait, ce qui se passe, c'est que oui, certes, les golems ils drop du fer, mais aussi des fois, comme vous pouvez le voir, les golems tiennent un coquelicot dans la main et donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils le drop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va AFK ici pendant un petit moment et après, on reviendra normalement avec assez de coquelicots. Bon voilà, j'ai toutes les teintures réunies, j'ai aussi tout le verre qui est réuni, donc il suffit que je mette la teinture bleue ainsi que la teinture rouge à côté et après, on va crafter notre petit verre violet. Et voilà, on se retrouve avec nos 108 stacks de verre violet et on va maintenant pouvoir s'atteler à la construction. C'est parti. Bon alors, juste avant, il y a un arbre qui m'embête, donc on va l'enlever bien évidemment. Attention, premier bloc que je vais placer sur à peu près 6000 blocs. C'était ma bonne chance. Oh là là, ça va faire bizarre, hein. 5 couches de ça. Je pense qu'à la fin, je serai tout simplement dégoûté de la couleur violette, hein. Je vous mens pas. En vrai, sans vous mentir, je fais pas ça à l'aveugle. J'ai déjà essayé en créatif. Et franchement, faites-moi confiance, ça rend vraiment, vraiment bien. Par contre, il y a vraiment un truc que j'espère. C'est que bah, j'espère que j'ai fait les bons calculs. Et j'espère que j'aurai assez de verre violet. Parce que franchement, si j'en ai pas assez, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Bon allez, trêve de bavardage. Accélérons un peu le processus. Les gars, il y a un problème les gars. Alors ce qui se passe, c'est que j'ai même pas fini le premier étage, que j'ai déjà fini la première shulker et j'ai entamé la deuxième. Sachant que je veux faire plus de 5 étages, je crois que je me suis trompé. En fait, il faut 10 fois plus que ce que j'ai. Il m'en faut 60 000 du verre. Bon, écoutez, finissons ça, finissons les 4 shulker box comme si de rien n'était et après on s'occupera du reste. Sinon ça va vous? Bon, j'ai refait des calculations, les creepers, les squelettes, bon bah, je crois que vous êtes enfermés pour l'éternité. Il m'en faut pas 6000, il m'en faut 30 000. Ouais, mon ref, t'as bien fait d'arrêter les maths, franchement, mon ref, c'est vraiment pas ton fort. J'ai déjà siphonné 2 shulker box, il m'en reste plus que 2, du coup, je vais entamer le deuxième layer. Normalement, je devrais finir le deuxième layer si tout se passe bien. Et bah écoutez, après, il va falloir se refournir, hein, y'a vraiment pas le choix. Mais j'ai trop le seum, les gars, vraiment, j'ai trop le seum. Deuxième couche, c'est parti, souhaitez-moi bonne chance.
nous voilà au moment fatidique. J'ai entamé la troisième couche et regardez, j'ai plus aucun verre. On est qu'à la troisième couche et en vrai, ça commence à faire l'effet que je veux. Genre, ça fait un peu effet brouillard. Donc, du coup, j'ai calculé. Normalement, il en faut encore 6 shulkers. Je vous dis sincèrement, j'ai envie de me tirer une balle. Bah, du coup, en fait, les pelles que j'ai faites sont pas aussi uniques que ça. Hein. Je vais pouvoir les utiliser au final. Bon, là, si je me suis trompé au niveau de mes calculs, franchement, faites-moi redoubler jusqu'au CP parce que là, c'est plus possible. J'ai tout mon verre dans toutes mes shulkers et là, j'espère vraiment que ça va suffire. Bon, allez, on s'y remet, les gars. Bon voilà les gars, j'ai fini mon étang violet, franchement je trouve ça rend vraiment stylé sa mère. Attendez, il y a quand même un truc qu'il faut qu'on vérifie, c'est avec les shaders. On va voir ce que ça donne avec les shaders. Oh c'est incroyable. Oh ça rend trop bien. C'est incroyable. On dirait vraiment il y a de l'eau violette. On peut dire que c'est carrément réussi. Bon après, le projet il est pas fini pour autant. Alors j'aimerais faire un truc qui fait un peu plus ambiance end. Certes, le violet avec le petit pont, ça fait déjà pas mal. Mais moi ce que j'aimerais faire c'est rajouter, vous allez me prendre pour un fou, une end city. Alors ouais, en gros j'aimerais mettre genre une end city ici que je vais aller bien évidemment chercher dans l'end. Et j'aimerais genre mettre 2-3 îles flottantes. Ça peut vraiment vraiment être stylé. En gros on fait une dimension de l'end dans l'overworld de A à Z quoi. Bon, trêve de bavardage, maintenant il faut qu'on aille dans l'end pour aller chercher une petite end city. Oh putain, j'ai lancé une invasion. Oh le con. Oh non, j'ai lancé une invasion. Je suis trop con. Ça veut dire là ils vont commencer à envahir ma maison là. Me dis pas ils sont en train de buter mes villageois là. Oh non, je suis atteint. Ok, ils sont pas dans ma base. Ah mais ils sont là. Elle est petite cette invasion hein. Il est tout seul. Mais tu t'es pas lu là mon ref. Viens ici. Bon bah souhaitez-moi bonne chance en espérant que je ne meurs pas tout simplement. Bon les gars, je trouve pas le dernier envahisseur. En soi, ça m'arrange parce que j'ai vraiment autre chose à faire. Ok, une end city. Bon, j'avais dit une petite end city. Je pensais pas aussi petit. Ok, il y en a une autre là. Ouais, mais elle est trop grande. J'aimerais bien l'intermédiaire des deux là. Pas envie de celle-là, pas celle-là non plus parce qu'elle est vraiment petite. Est-ce qu'on visite l'end city ou Big Flame? En soi, Big Flame, hein. Il faut qu'on trouve une end city moyenne. Pas une petite, pas une géante, mais vraiment moyenne quoi. Bon allez, on continue à fly, écoutez, hein. On va trouver ça un moment. Ah, une autre end city. Mais non, mais c'est pas possible. Elles sont petites ces end city, hein. Et, en vrai, les gars, c'est peut-être un signe du destin, hein. Ah, il y en a une autre au fond là-bas. Mais je vais péter un câble. Mais elles sont toutes petites, c'est pas possible. Je vais prendre cette end city et tant pis, hein, on fait avec. Bon, on va bien évidemment tuer les shulker box avant tout, hein. Ok, on a bien tout vidé. Parfait, ce MLG incroyable. Et bah maintenant, on va falloir la récupérer cette end city. C'est parti. Et en vrai les gars, l'Ender City elle est pas si grosse que ça. Elle tient dans une seule sugar box. Ah, il y a le retour de l'invasion les gars. Allez, je vais finir ça, voilà. Simple. Let's go, héros du village, enfin. Bon, normalement j'ai tout ce qu'il y a dans mon inventaire, j'ai tout ce qu'il faut. Et on va pouvoir construire cette End City. Bon alors premièrement je pense que je vais l'élever de genre une dizaine de blocs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, parfait. Et maintenant, bah attelons-nous à la construction, hein. Et voilà, notre End City est faite. Là, je la trouve franchement pas mal. Par contre, il y a un truc qui se passe pas bien, là. J'ai oublié des fenêtres, j'ai oublié des vitres. Est-ce que j'en ai ramené? Ça, c'est la question. Ok, va clairement falloir que j'aille en chercher. Ne bougez pas, je reviens. Alors, il en manque ici et ici. Bon, vu que je trouve ça un peu vide, j'ai décidé de faire 2-3 îles flottantes. En vrai, là, je pense qu'on va jouer au jeu de la disparition. Donc, au début, ça ressemble à ça. Et après, ça ressemble à ça. Alors voilà, ça y est, on a fini cette dimension. Franchement, c'était vraiment sympa. Regardez, il y a mes petites îles qui sont juste ici. Il y a ma petite forteresse de laine qui est juste ici. Et en plus, j'ai voulu faire un effet, bon, je sais pas si c'est réussi, avec genre, on dirait de l'eau, enfin, l'eau qui tombe. Ça part d'une bonne intention. En vrai, je pense que je pourrais l'améliorer. Mais franchement, je suis vraiment, vraiment très fier du résultat. Ah d'ailleurs, regardez, on a atteint le jour 500. Félicitations à nous les gars. Bon, on a nos 5 stacks et demi de TNT qui sont alignés. Ta gueule le ghast, je parle. On peut allumer tout ça et c'est parti. Bon, évidemment, on va venir faire cuire ces petits débris antiques. Attention, 44 nouveaux fragments de Netherite ajoutés à la collection. Bon, avant de s'occuper du temple de l'eau, on a quelques trucs à faire en premier. Alors, dans les commentaires de ma dernière vidéo, vous m'avez conseillé de prendre des cœurs de Chorus Fruit. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, je crois que ça peut se récupérer en tirant dessus. Exactement. Je vais en prendre, allez, une petite dizaine. Attention, petit MG. Oh là là, mais quel talent! Ah, du coup ce qu'on peut faire c'est qu'on peut poser ces petits chorus fruits sur l'île. Et normalement ça devrait pousser en genre d'arbre de laine.
Et ce qu'on m'a aussi conseillé de faire, c'est de prendre de la lave, de mettre de la lave en dessous de la glace pour faire un effet encore plus lumineux. Bon, on va bien évidemment pas faire de lac de lave parce que ça risque de prendre une éternité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte de mettre de la lave un peu partout pour au moins essayer de remplir toute la surface. On va être intelligent et on va disposer de la lave en haut pour que ça coule jusqu'en bas et que ça remplisse aussi cet endroit tout simplement. Et pendant que je suis en train de remplir ce trou de lave, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Bon, je pense que c'est assez illuminé comme ça, je vous mens pas, j'ai un peu galéré. Et regardez ma technique pour se casser sans laisser de traces. Je monte un peu, ensuite je saute pour me caler ici. Je casse la pierre que j'ai utilisée pour monter et je remets le verre. Ouais, vous pouvez le dire, ouais, je suis seulement smart. Oh là là, oh la giga bavure. Oh, c'est trop nul. Oh, de jour ça rend tellement mal. Vraiment, j'espère que de nuit ça va vraiment rendre bien. Je suis un peu inquiet là, là je vois pas, je suis un peu inquiet. Regardons ce que ça donne, attention un peu de suspense quand même, sinon ça serait pas drôle. Oh non, ça va. Ouais, non, franchement, ça va. Attendez, on va voir. Peut-être avec des shaders, ça risque de rendre encore mieux. Ah ouais, non, c'est pire. Ah ouais. Oh, c'est claqué sa mère. Bah, on voit carrément la lave, quoi. Oh non, je suis dégoûté. De toute façon, en soi, on joue sans les shaders. Voilà, hein, OZF. Comme ça rend un peu plus stylé. Est-ce que j'essaie de me convaincre que c'est bien alors que ça pue la merde? Ouais, peut-être, ouais. Peut-être. Bon, moi, l'avantage, c'est qu'on a nos sortes d'arbres de laine qui sont en train de pousser. Donc, ouais, ça fait. C'est vrai que ça fait un peu plus end quand même. Ça fait un peu plus end. Bon, voilà le temple de l'eau qu'on va vider. Alors, il est à quelques milliers blocs de ma base, mais en soi ça va, on est assez rapide avec les élytras tout simplement. Alors j'ai le souvenir d'avoir déjà vidé un temple de l'eau, mais sauf que c'était en créatif et ça m'a pris plusieurs après-midi. Donc là c'est assez peu rassurant, mais bon, le plus important c'est que on soit motivé, on reste motivé, ok. Bon, voici ma base temporaire qui va m'être utile pendant un certain moment, parce que franchement je pense que vider un temple de l'eau ce n'est pas de tout repos. En plus ça rime. Vous allez me dire, ouais mais 8 heures, pourquoi t'es fait un portail du nether? On va aller dans les heures et je vais vous expliquer dans les heures. Donc évidemment, comme vous vous en doutez, j'ai pris des éponges pour vider l'eau qui est à l'intérieur du temple de l'eau. Et donc du coup, pour sécher ces éponges, il y a deux manières. Première manière, la manière la plus chiante, les faire cuire dans un four. Ça prend du temps, ça prend du charbon. Nous, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement qu'on va aller dans le nether, on va poser les éponges et elles vont sécher instantanément. D'ailleurs, en parlant, je viens de me souvenir, mais en fait, il me faut une houe pour récupérer ces éponges. En tout cas, il faut que je retourne à ma base initiale. Let's go. Oh mais non, qu'est-ce que je raconte? Je l'ai mis dans ma shulker box. Au pire, vous savez quoi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire une nouvelle et qu'on va aller enchanter, parce que je sens que mon autre houe, elle ne va pas tenir. Attention, solidité 3, j'espère que je vais avoir un bon enchantement. Oh, parfait, c'est exactement ce que je voulais. Bon alors, on a deux choix qui s'offrent à nous. Soit on fait un contour rond, ou soit on fait un contour carré. Et l'avantage d'un contour carré, déjà de 1, c'est que, déjà c'est plus facile. Et de 2, c'est que je peux toujours faire un rond à l'intérieur si jamais j'ai envie de faire un contour rond. Bon, ce qui est un peu relou, ça va être les poissons piquants là, je sais pas comment les appeler. Mais bon, je sais pas comment je vais m'occuper de ça. Alors, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un carré de 100 blocs de long. Ça va être long, mais vas-y hein, on aime se faire souffrir avant tout hein. Oh, mais je vais péter un câble. Ça va être trop relou. Bon alors normalement, si je me suis pas trompé, ça fait 50 plus 50, donc normalement ça fait 100 sur 100. Là aussi normalement ça fait 100 sur 100. Donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est délimiter le carré avec du vert. On a pile poil assez, c'est n'importe quoi. Bon voilà, tout ne rentre pas dans le plan, mais comme vous pouvez le voir, la zone est quadrillée, tu vois. Bon bah maintenant il faut qu'on fasse le contour du monument de l'eau, mais avec un mur de sable. C'est parti! Bon les amis, petit problème, j'ai vidé tout mon sable, je n'ai absolument plus de sable, et j'ai fait que la moitié. Donc ça veut dire que il faut que je récupère beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de sable que ça. Bon voilà, 8 shulker box, j'espère vraiment que ça suffira cette fois. Alors on a de la chance, il me semble qu'on a un peu de sable juste à côté. Bah écoutez, on va déjà se contenter de ça. Vous savez quoi? Vu que vous avez bien kiffé, on va rejouer au jeu de la disparition. Au début, la plage ressemble à ça, et après, elle ressemble à ça. Alors comme vous pouvez le voir, mon inventaire est rempli de sable, avec 8 shulker box de sable. Bah écoutez, si j'ai pas assez de sable, je vais pas faire le malin, je vais devoir aller retourner en chercher. Bon, voilà, on a réussi à encadrer le monument de l'océan. Ça m'a pris longtemps, beaucoup plus longtemps que je ne le pensais. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est enlever toutes les algues que vous voyez, parce que sinon, je vais pas pouvoir poser de blocs de sable. Mmh.
Bon, je crois que ça y est. On a réussi à enlever toutes les algues. Bon, les petites algues que vous voyez ici, c'est pas important parce qu'en soi, elles se détruiront dès que je mettrai du sable. Bon, bah, maintenant, on peut s'attaquer à la partie la plus dure, vider le monument de l'océan. Donc, la méthode la plus efficace, c'est de placer des rangées de murs de sable en laissant un espace de 4 blocs, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Et ici, je commence à construire mon mur de sable. Voilà, bon, je dirais, ça m'a pris, allez, 45 minutes de faire juste cette allée. Alors, j'imagine pas le temps que ça va me prendre ici. Donc, du coup, c'est pas fini, hein, comme vous pouvez le voir, il y a encore de l'eau. Et bah du coup cette eau va falloir la vider tout simplement. Donc pour la vider c'est simple, on met une éponge comme ça et ça vide rien, un plaisir. Attends quoi? Comment ça là? Je me suis fait arnaquer? Ah non c'est bon. Bon bah voilà, go faire ça tout le long. Bon voilà ce que j'ai pu vider avec un stack et demi d'éponge. Tout ce que je peux vous dire c'est que la vidéo ne sera pas à l'heure, ça c'est sûr. Vraiment, soyons rationnels, si je continue comme ça j'en ai pour un mois. D'autant plus que j'ai le bac qui arrive dans 2 semaines. Donc voilà, merci à tous. Bon après ça, petit moment satisfaisant dans le nether à faire sécher des éponges. Faut s'y remettre hein, pas le choix. Bon bah maintenant il suffit d'enlever les éponges et de répéter ça bah une vingtaine de fois. Bon, avant de continuer, j'aimerais juste avoir une petite vue d'ensemble pour voir ce que ça donne. Oh, c'est tellement décourageant. Oh, je vais péter un câble. Oh, punaise. Bon, bah, va falloir que je fasse ça hors caméra aussi, hein, parce que là, ça va être littéralement beaucoup trop long. Bon, souhaitez-moi bon courage. Faut que je m'y remette, parce que sinon, ça va durer 300 plombes. Non! Non, il est en train de mourir, là. Tant pis, les gars, petite mise à jour. J'ai un peu avancé, je vais pas vous mentir. Bon, j'ai encore du boulot, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, donc, j'ai fait quelques petits changements aussi. Bah, premièrement, va falloir que je récupère tout le sable que j'ai ici, parce que j'en ai plus assez pour continuer, bah, à vider mon temple de l'eau. Et deuxièmement, j'ai installé des fours ici. Parce que le problème, c'est que dès que je fais des timelapses et que je vais dans le nether pour aller sécher mes éponges, et bah, ça fait un genre de bug graphique. Donc, du coup, c'est mieux que je mette des fours. Déjà, de 1, comme ça, ça fait pas de bug à l'écran. Et de 2, et bah, du coup, ça me fait de l'XP que je peux récupérer, par exemple, pour soigner mes élytras. Ainsi que ma houe en diamant qui s'épuise assez vite. Bon alors là je vais m'apprêter à faire un truc très satisfaisant. Et ça fait aussi partie d'une des principales raisons que j'ai voulu vider un temple de l'océan. C'est bien évidemment enlever le sable. On met une bougie, enfin non c'est pas une bougie. Et on récupère tout le sable, c'est littéralement incroyable. Bon voilà, ça commence à se vider. Écoutez, attendez, on va prendre un peu de hauteur. Ouais, je dirais on a fait, un cinquième de ce qu'il y a à faire. Et bah vous savez ce que je propose, on va jouer au jeu de la disparition. Au début, le temple de l'eau ressemble à ça, et après, ça ressemble à ça. Alors, on dirait pas, je dirais ça fait, ouais, 4 heures que j'ai avancé, donc ouais, c'est pas mal, je suis quasi à la moitié. On commence à voir que ça avance. Et aussi en avançant, comme vous pouvez le voir, et bah j'ai remarqué que j'ai fait un bon petit périmètre autour du temple de l'eau. Donc du coup, n'hésitez pas à me proposer vos idées dans les commentaires de ce que je pourrais faire avec ce temple de l'eau une fois que je l'aurai vidé. Parce que sans vous mentir, j'en ai aucune fichue idée. Bon bah maintenant on s'y remet, hein, j'ai pas le choix, c'est parti! Bon les amis, on a bien avancé, comme vous pouvez le voir, on a dépassé la moitié du temple de l'eau, et c'est vraiment magnifique. Ce qui est surtout magnifique, c'est comme vous pouvez le voir ici, on est jour 600. Ok, bah du coup, on a commencé à quadriller bah, l'autre moitié du temple de l'eau, et vous savez quoi? On se rapproche petit à petit de la fin, et je pense qu'on va faire ça ensemble. Pourquoi je serai le seul à souffrir et vous souffrirez pas avec moi? Non mais c'est n'importe quoi ça. Ah oui, pour le contexte, là je suis à, je dirais, 3 jours des épreuves du bac, j'ai absolument pas révisé, et je suis en train de vider un temple de l'eau sur Minecraft. Ah oui, il y a aussi ces poissons piquants là qui m'emmerdent. Oh là là, comme ils sont trop chiants, eux en plus ils font mal. J'ai failli mourir plusieurs fois à cause d'eux, donc on va s'empresser le tuer. Et en plus ils sont résistants. Bon, là on se retrouve dans un cas particulier où on a plus assez d'éponges pour vider ce qui reste. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des éponges mouillées que je vais récupérer. Qu'on va venir sécher dans le nether. Écoutez-moi juste ce bruit satisfaisant. Et on y retourne pour placer les dernières éponges. Attention, dernière éponge. Bon, c'est mieux quand c'est sec, non? Bon, maintenant qu'on a vidé une rangée en entière, il s'agit de l'enlever.
Ah oui, il y a aussi un truc marrant avec la logique de Minecraft. C'est comment une pile de 200 blocs de sable peut tenir sur des putains de torches. Ah mais Minecraft, réparez-moi ça tout de suite là. Bon, ça y est, maintenant que je suis assez rodé pour vider des colonnes d'eau sur Minecraft, j'aimerais voir combien de temps ça me prend de vider une seule colonne d'eau. Alors bien évidemment, je le ferai le plus vite possible. Et ça pourrait éventuellement nous permettre d'estimer le temps qu'on a pris pour vider tout ce temple de l'eau. Alors, vous êtes prêts? Préparez vos chronos, ça commence dans 3, 2, 1, c'est parti. Vous avez normalement le chrono, je vais essayer de me faire le plus vite possible. Souhaitez-moi bonne chance les gars. Attention, attention, stop. Ok, 26 minutes 10. Franchement, c'est propre, je suis assez fier. Regardez, en plus, ça avance vraiment bien. Bon, allez, vu que je suis pas si cruel que ça, je vous laisse avec cette timelapse qui va signer la fin du vidage du temple de l'océan. Dites-vous que cette timelapse, elle va me prendre à peu près, ouais, 3-4 heures. Souhaitez-moi bonne chance. Bon, voilà, il est enfin vide, mais c'est pas fini. Croyez-moi, c'est pas fini, on a encore un peu de boulot. Il faut bien évidemment que je fasse des murs en verre, parce qu'on va pas laisser ça en sable, c'est vraiment dégueulasse. Et là, je vois ce petit temple de l'eau bien vide, bien disponible. Je pense qu'on va vraiment pouvoir faire des choses sympas avec. Bon, pour pouvoir clôturer notre projet, faire un genre de périmètre avec de la glace, il va falloir que j'aille chez moi pour aller faire cuire tout le sable que j'ai dans mes shulker box. Donc, au début, j'ai du sable dans cette shulker box, et après j'aurai du verre dans 3... 2, 1, et voilà. Normalement, on a assez de verre pour pouvoir faire l'ensemble de notre projet. Voilà, donc on est chargé et on peut s'y mettre à la dernière partie de ce fichu projet. C'est parti! Bon, ce qui est juste un peu relou, c'est que on n'a pas respiration infinie, donc du coup, il faut que je remonte à la surface pour éviter de me noyer. Bon, ça va. En vrai, c'est assez lent vu que j'ai respiration 3 sur mon casque. Bon, bah, je crois que j'ai trouvé une méthode un peu plus efficace et un peu plus satisfaisante. C'est de faire directement des colonnes qui montent quasiment jusqu'en haut, comme ça, je vois un peu la progression. Parce que franchement, faire le tour à chaque fois, ça devient vraiment, vraiment relou. Attention, normalement, c'est les dernières glaces que je pose de cette vidéo. Je vous mens pas, ça fait, je dirais, 2 semaines que je suis sur le tournage de cette vidéo. Entre-temps, j'ai eu le temps de passer le bac, j'ai eu le temps d'avoir 3 enfants, d'avoir un prêt, une maison, ainsi que de voir mon chien décédé. Attention, la dernière glace que je vais poser... Et voilà, ça y est, c'est fini. Enfin non, c'est pas fini, parce que comme vous pouvez le voir juste derrière moi, on va pas se mentir, que le sable, ça fait dégueulasse. Alors cette fois-ci j'ai AFK un peu plus longtemps que prévu, j'ai du stock, cette fois-ci on va pouvoir récupérer vraiment pas mal de netherite. Alors évidemment j'ai prévu le coup, avec moi j'ai ramené 3 boîtes de shulker, j'espère que ça suffira. Bon alors comment vous dire que ça ne suffit clairement pas, hein, j'ai encore un grand coffre qui est quasi rempli. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller vider ces shulker box à la maison et on va revenir avec des shulker toutes vides. Bon, on a un bon petit stock de poudre à canon, et ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment pas mal de sable qui nous reste de la dernière vidéo. Donc du coup, pas besoin d'aller chercher sable, on peut directement craft les TNT. D'ailleurs, avant que je craft, faites vos pronostics pour savoir combien je vais avoir de TNT. Moi, je pronostique une shulker box de TNT entière. Et bah, au final, j'étais assez proche parce que je me retrouve avec une boîte de shulker de TNT entière et 2 stacks avec 13 autres TNT. Franchement, là, on va pouvoir récupérer vraiment, vraiment beaucoup de netherites. Et voilà, verdict final, je me retrouve avec 2 stacks et 46 fragments de netherite. Franchement, sans vous mentir, je m'attendais à plus, mais c'était jamais créé. On va pouvoir rajouter tout ça à notre collection, d'ailleurs on a un débris antique qui traîne, on va s'empresser d'aller le faire cuire. Et ce qu'on va même pouvoir venir faire, c'est pouvoir fusionner ces fragments de netherite avec des lingots d'or pour pouvoir faire des lingots de netherite. Donc accessoirement, on a 1,5 stack de lingots netherite qu'on va pouvoir transformer en blocs de netherite, ça nous en fait 10, qu'on peut venir poser au monument des beacons.
Bon, comment dire, on a vraiment beaucoup de boulot avant de finir ce beacon en netherite. Bon, alors comme vous avez vu dans l'intro, hein, le but c'est pas de miner un maximum de netherite, le but c'est de customiser le temple de l'eau. Alors pour ça, on aura besoin d'énormément de matériaux, et je pense qu'on va pas traîner plus que ça. Premièrement, il faut qu'on aille miner un maximum d'or et un maximum de quartz. Et le meilleur endroit pour miner de l'or ainsi que du quartz, c'est bien évidemment là où je mine toutes mes netherites. Bon bah c'est parti, perdons pas plus de temps que ça. Bon alors on n'a pas rempli les shulker box, mais je pense que ça suffit tout ce qu'on a, enfin j'espère du moins. Comme vous pouvez le voir, c'est encore en minerai, donc du coup il faut qu'on les mine, c'est parti. Bon voilà, on s'en sort avec deux shulker box d'or et un peu de quartz, et j'espère vraiment que ça suffira. Bon, un autre matériau qu'on aura besoin en masse, c'est bien évidemment la roche noire. Alors selon mes calculs, il me faut aller environ 3 bottes de shulker. Et encore une fois, le meilleur endroit pour trouver tout ça, c'est bien évidemment le nether. Bon voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fait les provisions au max et j'espère vraiment que ça va suffire cette fois-ci. Ah oui, d'ailleurs, j'ai trouvé encore 8 autres débris antiques. Je crois que je bigle hein, dès que je cherche les débris antiques. Parce que là, à nouveau, j'en ai vraiment trouvé pas mal. Je pense qu'on va aller chercher une petite shulker box de Chorus et on va enfin pouvoir se mettre à la construction de ce build qui est vraiment prometteur, on va pas se mentir. Allez, c'est parti! Bon, ça y est, on est de retour au temple. Dans la dernière vidéo, je vous ai menti, je n'ai pas complètement vidé le temple de l'eau, de toute façon, je pense que vous l'avez vu. Il est encore rempli de l'intérieur, ainsi que dans son soubassement. Je sais pas si ça se dit, je sais pas si c'est français d'ailleurs. Bon, du coup, j'ai ramené avec moi mon set d'éponges que vous commencez à connaître, et on va finir de vider ce temple de l'eau une bonne fois pour toutes. Bon alors avant toute chose, j'ai ramené 4 balises, histoire d'être plus rapide. Donc laissez-moi les installer. Et en vrai, je sais pas pourquoi je m'embête à en installer 4 aux 4 coins du temple de l'eau. Je peux tout simplement en installer 4 à l'intérieur du temple de l'eau. Ah ah ah, je suis trop intelligent. Bon voilà, mon beacon est en place, par contre je sais pas comment je vais pouvoir sortir. Bah en fait je peux passer par là tout simplement. Oh, le faisceau lumineux comme ça, comment c'est stylé. Bon alors il me reste un peu de bloc de fer, on va aller ranger tout cet inventaire. Bon alors première étape c'est faire une sorte de faille pour séparer le temple de l'eau en deux. Bon alors voilà la petite délimitation du temple. Franchement ça me paraît plutôt pas mal, ça me paraît plutôt équitable. Donc du coup cette partie ce sera la partie du nether. Donc du coup logiquement cette partie ce sera celle de l'end. Bon alors première étape c'est changer ces petits blocs qui dépassent par de la roche noire dorée. Oh comment c'est stylé. Bon alors première bavure, je crois que j'ai pas pris assez de roche noire dorée. Donc du coup go dans le nether pour aller encore en chercher quelques-unes. Bon voilà, normalement on a les pièces manquantes, on a ce qu'il faut. Si on n'a pas ce qu'il faut, je me suicide. J'ai prévu le coup normalement, j'ai ce qu'il faut, attention. Ouais, ok, c'est bon, parfait, en plus il m'en reste 13, c'est nickel. Bon, maintenant remplaçons cette partie granuleuse par des blocs de quartz sculptés. C'est parti! Vous voyez les petits motifs verts là, on va pouvoir aussi les remplacer par du quartz. Donc on va jouer au jeu de la disparition. Au début ça ressemble à ça et après ça ressemble à ça. Ouais franchement ça rend plutôt bien. Bon évidemment ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre de la roche noire tout autour pour essayer un peu de contraster avec le blanc. Comme ça, ça rendra encore plus stylé. Alors voilà, je trouve que ça rend vraiment pas mal. Bon, j'en ai aussi profité pour faire les arches que vous voyez juste ici. Maintenant, il faut faire tous les contours du temple qu'on va modifier en utilisant de la pierre noire taillée. Bon, j'ai un inventaire complet de pierre noire taillée. J'espère que ça va faire le taf. Normalement, ça devrait le faire. Mais bon, on a toujours ce petit stress quand on fait ce genre de choses. Donc, bah, c'est parti, hein. Alors évidemment, la première des choses à faire, c'est détruire. Et c'est franchement plutôt satisfaisant. Voilà, une fois que les contours sont soigneusement détruits, on peut remplacer par la pierre qu'on a préparé auparavant. En fait là je viens de m'en rendre compte, mais on est en train de reconstruire un temple de l'eau en entier. Ouais je suis trop puissant. Ouais attention, et voilà parfait. Alors ici c'est assez simple vu qu'il n'y a pas grand chose à mettre. Tac tac. Ok parfait. Bon on refait la même chose ici, on détruit tout et on remplace par de la pierre noire taillée.
Voilà, donc ce côté avance vraiment bien. Maintenant, il faut que je refasse la même chose tout ici et tout ici. Bon, celui-là, je vous le dispense. On se retrouve juste après le petit montage musical. Ah ouais, il est noir! C'est plus un temple, là, c'est... c'est le palais des enfers, là. D'ailleurs, en faisant le comic, je me suis rendu compte que j'ai oublié qu'il fallait que je transforme ces genres de pylônes. Laissez-moi faire ça, je m'en occupe. Bon, maintenant, il faut qu'on s'attelle à la plus grosse partie, c'est-à-dire à la partie de l'end. Et cette fois-ci, les petits cubes qui dépassent, on va les remplacer par des blocs d'or. Là, j'en ai 2 stacks et 16. J'espère vraiment que ça va suffire. Ça va être un temple de luxe, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on a les moyens, on se fait plaisir. Bon, sans vous mentir, ça m'a coûté plutôt cher à faire, mais franchement, ça valait le coup. Bon, maintenant, remplaçons ces vieux trucs granuleux par des piliers de purpure. Bon voilà, moi je trouve ça plutôt pas mal, ça fait un peu effet parquet. Oh, je viens de voir une petite imperfection, laissez-moi changer cela. Voilà, parfait. Bon, maintenant je pense que vous connaissez la procédure, faut faire les contours le moment le plus chiant. Je vous propose de faire ça en jeu de la disparition. Donc, au début, le temple ressemble à ça, et après, ça ressemble à ça. Alors ouais, on dirait carrément une tablette de chocolat blanc, mais regardez. Eh, franchement, c'est vraiment stylé, hein. Bon, on va pas se mentir, cette ligne en terre, ça fait un peu crade, donc laissez-moi m'en occuper. Alors maintenant, permettez-moi d'étendre le petit trait de terre, parce que oui, je voulais pas préciser, mais on va quand même pas laisser le pourtour du monument en gravier, là, c'est dégueulasse. On va faire un biome nether du côté du nether, et un biome de l'end du côté de l'end. Ça me paraît good, ouais, ça me paraît pas mal au niveau de la délimitation. Bon, évidemment, on a comme vous pouvez le voir une grosse zone à recouvrir, donc du coup, direction le nether et l'end pour aller chercher encore plus de matériaux. Oh, elle est longue cette chute. Bon, maintenant qu'on est équipé, enfin j'espère qu'on a assez de pierres de l'end, on va venir recouvrir tout le terrain qu'on a dégagé en pierres de l'end. Merde, je suis tombé dans l'eau. Bon bah let's go hein. Bon, maintenant on est dans le nether, on a besoin de remplir toutes ces shulker box. Donc écoutez, on va jouer au jeu de la disparition. Au début, mes shulker box, elles sont vides, et après, elles ressemblent à... Bon, j'ai mes boîtes de shulker qui sont remplies, j'ai même des petits minerais pour améliorer ma zone du nether. Et bah, c'est parti, on s'y attache. Attention, on arrive dans le plaçage des derniers blocs. Let's go, c'est tout fini. Bon, c'est plutôt stylé. Attendez, j'ai oublié quelque chose. C'est ces vieux bouts de terre là qu'on va remplacer par de la netherrack. Oh, let's go, un slime. Trop bien. Bon alors, là on va pas se mentir, ça fait un peu vide. Donc j'ai ramené 2-3 trucs pour pouvoir rendre ça un peu plus, agréable à regarder. Peut-être en y ajoutant des structures que je vais créer moi-même. Ou même avec des petits arbres de chorus que je vais m'empresser d'aller planter un peu partout dans la petite zone de l'end. Bon, voilà la petite maison que j'ai pu faire, type end. Je vais essayer de la reproduire 2 ou 3 fois pour que ça fasse un peu moins vide. Franchement, elle est assez simple, mais je la trouve vraiment sympa. Thank you.
pourrait être drôle d'en faire apparaître une. Bah du coup, au début, ça ressemble à ça, et après, ça ressemble à ça. Bon, franchement, moi, je trouve ça un peu moins vide, c'est plutôt pas mal. Mais bon, je sens qu'il manque quelque chose quand même, et j'ai ramené tout mon verre violet qui me restait pour faire un petit lac de l'eau de l'End. Bon, alors déjà, où est-ce qu'on pourrait le faire? Je pense qu'ici, ça pourrait être pas mal, il n'y a pas grand-chose ici, à part des arbres. Bon, maintenant que le trou est creusé, on peut remplacer tout cet espace vide par du verre violet. Bon, il y a un petit problème, c'est que bah ça fait pas trop l'effet. Donc je pense que la cause de ce problème, c'est le fait que j'ai collé toutes les vitres. Donc ça fait pas trop un genre de dégradé de violet un peu genre flou. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va corriger ça tout de suite. Bon voilà, dès qu'on a rectifié le tir, avouez que c'est quand même un peu mieux. Il y a toujours les bancs en cobblestone ici, mais en vrai ça peut faire une genre de profondeur un peu plus dark, un peu plus sombre. Prenons un peu de hauteur pour admirer ça. Oui, j'ai enlevé le son parce que ça me saoule. Ouais, ça rend bien, franchement. C'est stylé, non? Bon, déjà, un sol de netherrack, ça fait un peu vide. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené des minerais de corps du nether et des minerais d'or du nether. Comme ça, je vais pouvoir un peu parsemer de minerais. Parce que là, c'est vraiment, vraiment triste tout seul. Bon voilà, je n'ai pas mis énormément, mais ça suffit pour faire un peu une imitation nether, parce que j'ai par exemple vu d'autres youtubeurs qui en mettaient beaucoup plus et qui mettaient de la netherite, enfin bref, ça avait aucun sens, ça faisait plus naturel du tout. Mais là je trouve que ça fait vraiment bien en plus, si je cadre juste comme ça, on se croirait dans le nether. Bon, je pense qu'on est d'accord là-dessus, ça manque un peu de structure. En vrai, moi j'avais pensé à faire une réplique d'une forteresse du nether. Bon alors, premièrement, pour faire ça, il faut aller chercher les blocs dans le nether, ce qu'on va s'empresser de faire. Mais les gars, je vous en conjure, s'il vous plaît, avant qu'on fasse quoi que ce soit, venez, on repasse level 100. Parce que vraiment, le niveau 91, là, ça me stresse vraiment trop. Bon, voilà, j'espère, assez de briques du Nether. J'aimerais bien faire une forteresse qui va là-bas et ici. Bah, je sais pas ce qu'on attend, c'est parti! Bon, bah, c'est parti, les gars. Bon, en vrai, on s'est pas mal démerdé, on s'est retrouvé avec quasiment la moitié d'un stack de débris antiques. Franchement, j'ai été vraiment pas mal efficace. Bon, ce qui est cool, c'est que ça va faire encore quelques lingots. Voilà, ça fait 7 autres lingots de netherite. Enfin non, excusez-moi, 8, j'en ai trouvé encore un dans mon coffre. Oh non, c'est pas assez pour faire deux blocs. Attendez, je vais vite faire une expédition de nether, je vais aller chercher 4 débris antiques et je reviens. Voilà, parfait, on a nos 4 fragments de netherite qu'on va pouvoir rassembler avec 4 de gold qui vont nous permettre d'avoir un dernier lingot de netherite qui vont nous permettre de craft 2 blocs de netherite. Attention, regardez comment ça va avancer. Oh my god, c'est incroyable. Bon les gars, j'imagine que ça vous rappelle un petit projet, le fait d'avoir enlevé toute une montagne qui était juste derrière moi. Donc du coup, on va traiter le projet de manière méthodique. On va d'abord délimiter la zone. Donc je sais pas si je l'ai précisé, mais en tout cas la zone, ce sera du 50 blocs sur du 50 blocs. Et d'abord, avant de délimiter tout ça, il faut trouver un bloc avec lequel on va pouvoir faire le périmètre du nouveau build. Et après multiples réflexions, j'ai conclu que l'ardoise des abîmes taillées pouvait être un des meilleurs blocs pour pouvoir faire le périmètre. Allez, c'est parti, premier bloc du projet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 48, 49, 50. Bon bah maintenant il nous suffit de faire ça 3 fois. Hein. Bon, n'empêche, ça fait pas mal, hein. Je trouve ça grand, mais pas trop non plus. Bon, alors, on va pas se mentir que des vieux blocs, là, posés comme ça, ça fait pas ouf. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai craft des petits escaliers. On va essayer de faire le contour. Bon, voilà, c'est un peu mieux comme ça, non? On va pas se mentir, c'est un peu plus propre, quand même. Bon, maintenant, on va installer 4 beacons. Évidemment, aux 4 coins du petit carré qu'on a fait au préalable. Écoutez, on va même jouer au jeu de la transformation, parce que je trouve ce jeu cool. Pour ceux qui connaissent pas le principe, on fixe ici, on compte jusqu'à 3. 1, 2, 3, hop! Et voilà, bon, le jeu est assez simple, il y a tout qui se met en place, c'est assez satisfaisant à regarder. En général, dans cette chaîne, on aime bien le jeu de la disparition. Et bon, vu qu'on va passer beaucoup de temps à faire ce build, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer une petite base temporaire à la surface. Bon, on peut commencer avec l'installation de plusieurs doubles coffres, dans lesquels on va pouvoir mettre tous les minerais qu'on aura minés. Bon, on va aussi crafter quelques petites pioches en diamant qu'on risque d'avoir besoin, qu'on va bien évidemment s'empresser d'aller enchanter. Bon, allez, petite timelapse de moi qui enchante tous mes outils. Franchement, j'ai pas trop hâte de perdre tous mes niveaux.
Bon voilà, on se retrouve au niveau 70. En vrai, ça va, on a perdu 33 niveaux, c'est pas si grave que ça. Par contre, ce qui est beaucoup plus cool maintenant, c'est qu'on a en tout 6 pioches, efficacité 4 et solidité 3. Là, on est vraiment bien. Et en plus, le pire, c'est qu'on a raccommodage sur chacune d'entre elles. Franchement, on est vraiment Gucci là. Bon, voilà tous les minéraux qu'on va être amené à rencontrer pendant cette aventure. Et dites-moi en commentaire, quels minéraux vous pensez qu'on va récolter le plus? Personnellement, je dirais, ouais, la redstone, on va en récupérer vraiment pas mal. Bon bah, je pense que la phase préparation est finie. On va passer, bien évidemment, au moment que je redoute le plus. Bah, le creusage de ce trou, hein. Attention, vous êtes prêts? Et c'est parti, ça commence! Bon, j'ai comme un léger souvenir de déjà vu. Je sais pas, j'ai déjà l'impression d'avoir fait ça dans une autre vidéo. Genre, trop bizarre. Voilà, donc, encore, comme vous pouvez le voir, 69 fois ça. Et après, ça sera bon, hein. On aura tout détruit. Bon, allez, j'arrête le massacre ici. Petite timelapse. Hop, 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 hop. Attendez, avant qu'on commence, on va regarder. On est jour 757. D'ailleurs, on s'approche du jour 1000. Et franchement, je suis assez curieux de voir le jour où on finira le projet. On essaiera de regarder ça avant la fin de la vidéo. Évidemment, si j'oublie pas. Parce que, franchement, les gars, je vous garantis rien avec ma mémoire de girafe. Bon les gars, on a vraiment pas mal avancé. Et en fait, je me suis rendu compte que les pioches efficacité 4, et bah ça one-shotait pas la cobble. Donc du coup, j'ai décidé de les assembler pour en faire des pioches efficacité 5. Et maintenant, elles sont surcheatées. Bon alors, on a démarré, on était à la couche 70. Maintenant, on se retrouve à la couche 65. Allez, on se décourage pas. À nouveau une petite timelapse. C'est parti. Bon les gars, il y a eu vraiment pas mal de changements. Bon déjà, vous voyez que ça a un peu évolué derrière moi. Il y a aussi le fait que j'ai... Ah non, ça je vous l'ai déjà dit pour les pioches. Comme vous pouvez le voir, on a atteint la couche 60. Ça veut dire que là, on a creusé 10 couches. Franchement, pour moi, ça a été assez simple, tranquille, bilou quoi. Écoutez, vu qu'on kiffe ça, on va jouer au jeu de la disparition. Donc au début, le trou ressemble à ça. Et après, il ressemble à ça. Moi, j'ai pas trop l'impression que ça a vraiment bien avancé. Et là, il y a une petite nouvelle qui me fout un peu dans la merde. Moi j'avais prévu que j'allais remplir le redstone. Bah déjà de 1, il y a rien du tout dans la redstone, mais regardez de 2, le cuivre est complètement rempli. Regardez, j'ai même jeté mes restes de cuivre juste ici qui me servaient à rien. Bon bah voilà pour la mise à jour, hein. Maintenant faut continuer. Regardez, on est qu'à la couche 50, on a encore pas mal à creuser. Faut qu'on s'y attelle le plus rapidement possible. Allez, c'est parti, on s'y remet les gars. Attention les gars, on rentre dans les derniers blocs. Ça fait 2 jours que je suis dessus. Un plaisir, un silverfish qui m'attaque pour la fin. Attendez, on va juste recouvrir le sol. Et voilà. J'ai littéralement creusé un trou de 70 blocs, de 50 blocs par 50 blocs. On va quand même calculer ce que ça fait tout ça en blocs. Les gars, ça fait 175 000 blocs. Ouais, je suis carrément zinzin. Là, je viens de miner 175 000 blocs, je m'en suis même pas rendu compte. Et si seulement on pouvait avoir le même nombre d'abonnés, ce serait pas mal, hein. Ouais, ce serait pas mal, les gars, abonnez-vous. Regardez-moi juste ces statistiques de blocs monstrueuses que j'ai pu miner. Par exemple, 334 000 blocs de stone. Faut quand même le faire, n'êtes-vous pas d'accord? Bon, au final, j'ai été un peu débile d'avoir mis des coffres pour les diamants, parce qu'en fait, j'en ai littéralement récupéré 0. L'or, ça a pas été très concluant. Le fer, ça a été pas mal. Ça a été pas mal produit. Le cuivre, hein, j'en ai carrément 2 doubles coffres, un plaisir. Le charbon, ça a été plutôt timide, je pensais en avoir plus. Oh là, la redstone, je pensais que j'allais en avoir le plus, et au final non. Le lapis, c'est pas dégueu, et regardez ce que j'ai eu. J'ai eu vraiment pas mal de slime qu'on pop, c'est vraiment cool. Bon, je pense que vous imaginez, hein, notre projet s'arrête pas là. Nous, on a le projet, bien évidemment, de refaire la voie lactée. Juste le fait de dire ça, c'est un truc de zinzin. Donc forcément, la voie lactée, elle se situe pas au Vietnam ou au Zimbabwe, elle se retrouve bien évidemment dans les... Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir tous ces murs, ainsi que le sol aussi, hein. On va les recouvrir en béton noir. Et bon, j'ai calculé, il va me falloir plus de 17 000 béton noir pour recouvrir l'entièreté de ce puissant fond. C'est-à-dire, accrochez-vous bien les gars, 260 stacks de béton noir. Donc plus de 9 shulker box entières de béton noir. C'est littéralement une somme astronomique de béton noir qu'il va falloir qu'on récupère. Mais bon les gars, laissez-moi un peu de temps pour récupérer quelques matériaux, et on va régler ce problème en 2 temps 3.
en mouvement. Bon les gars, je pense que vous avez compris ce que je vais faire. Je vais fabriquer un duplicateur de sable. En gros, ça va me donner genre 36 000 de sable par heure. Et l'avantage qu'on peut faire, c'est que à la place du sable, on peut par exemple mettre le béton noir en poudre. En gros, tous les blocs qui ont la même physique que le sable, je vais pouvoir les dupliquer. C'est incroyable, vous allez voir. Bon allez, c'est parti! Bon, voilà, j'ai fini la plateforme qui va récupérer le sable. On va tester pour voir si ça fonctionne. Attention, on retourne à la base. Ok, donc on lance. On regarde si tout fonctionne bien. Attention, on va dans l'end. Et parfait, regardez. Oh, comment c'est incroyable. Attendez, on va voir les coffres. Oh là là, oh là là, Mélissa. Ah là là, Mélissa. Ah non, c'est Jason. Oh, regardez, regardez comment ça se remplit. Bon les gars, on va AFK pendant allez, une heure et normalement tous les coffres devraient se remplir. Bon les gars, on a réuni tout le béton noir qu'on aura besoin. J'espère que ça sera suffisant, mais d'après mes calculs, ça devrait amplement suffire. Mais bon, les gars, avant de placer quoi que ce soit, il faut que je remplace tous ces murs par du béton noir. Ça veut dire que, premièrement, il faut que je les enlève. Et bah vous savez quoi, hein, c'est parti. Bon bah ça y est, on a pu tout dégager. Maintenant bah il suffit de nous recouvrir toute la zone avec le béton noir que je tiens en main. C'est parti! Bon, me dire que je vais faire ça avec 17 000 blocs, je sens que ça va être long, je sens que à la fin je vais avoir mal à la main. Mais franchement je pense que ça vaut le coup, vous allez voir, ça va vraiment rendre stylé. Et voilà, oh là là, c'est magnifique. C'est quand même beau ce qui se passe, mais bon, on a encore un peu de boulot, comme vous pouvez le voir, on a ces géants murs à couvrir. Et vous savez quoi, je sais que vous aimez bien ce jeu, on va jouer au jeu de la disparition. Au début, le trou ressemble à ça, et après il ressemble à ça. Alors ouais, ça a bien changé, c'est bien flippant comme ça. Ah, je crois que j'ai loupé un petit carré, laissez-moi faire ça. Attention, on va réussir. Oh, MLG. Et oui, j'ai oublié de vous le dire, mais on a oublié de transformer le béton, je sais pas comment là, le béton sableux, en vrai béton, parce que là, ça c'est du vrai béton, ça c'est du béton de... Donc les gars, là, le seau d'eau va être mon meilleur pote. Oh les gars, regardez-moi ça, comment c'est trop stylé l'eau qui descend comme ça. Oh, c'est trop stylé par contre, mais regardez, il reste un tout petit point. Attendez, en vrai, ça serait stylé si on arrive à l'enlever avec un MLG. Non ! Punaise, j'ai pas réussi à MLG. Bon, voilà, les gars, on se retrouve dans l'espace. On est clairement dans l'espace, là, on va pouvoir faire notre volacté, enfin. Bon, mais avant ça, on a quelques préparations à faire, comme par exemple ces beacons qu'on peut enlever parce que ça gâche clairement la vue. Bon, maintenant pour la voie lactée, ça risque d'être un peu plus dur que faire un simple et bête trou noir. Ça sera de construire la voie lactée. Bon, évidemment, comme vous vous doutez, je vais pas la faire à l'échelle, hein. Sinon, ce serait carrément impossible. Mais vous inquiétez pas, j'ai mes petits plans, je sais comment je vais m'y prendre. Et bon, comme vous vous en doutez, on aura besoin de pas mal de matériaux. Bon, alors premièrement, on aura besoin de lanternes qu'on ne trouve que dans le temple de l'océan. Donc du coup, bah direction à l'intérieur du temple de l'océan. Parce que ouais, je l'ai pas custom à l'intérieur. Et il reste encore toutes les lanternes que je vais pouvoir récupérer. Bon, j'ai aussi besoin de pas mal de sable pour en faire du verre et notamment du verre coloré. Bon, là, je pense que vous en doutez, j'en ai clairement pas assez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un peu de sable et on va profiter de notre nouvelle machine à dupliquer du sable. Bon, les coffres se sont pas mal remplis. Là, j'ai deux doubles coffres, je pense que ça devrait suffire. Bon, les gars, vu qu'on a déjà pas mal de verre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire cuire qu'une seule shulker box de sable et normalement, ça devrait largement suffire. Bon, c'est bon, j'ai récupéré tous les matériaux. On va pouvoir commencer à construire cette fichue galaxie. Allez, c'est parti! «
Bon, ça y est les gars, j'ai fini la Voie Lactée. Les gars, en comparaison, je vais mettre un screen de la Voie Lactée juste à côté. Et franchement, on est d'accord, ça rend vraiment pas mal. Mais bon, c'est pas encore fini, il y a encore un petit truc que j'aimerais faire. Et ce que j'ai bien envie de faire, c'est de recouvrir cet immense trou pour déjà, premièrement, éviter de tomber dedans. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va pouvoir admirer la petite galaxie par-dessus. Par contre, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça rend de nuit la galaxie. Bah, c'est parti, je sais pas ce qu'on attend de plus. Ça y est, c'est fini, regardez comment c'est trop stylé. Oh, avec des shaders, comment ça claque deux fois plus, regardez. Les torches, ça fait vraiment, on dirait vraiment des étoiles, c'est trop stylé. Et tout ça en, je crois, 100 jours, parce qu'on a commencé, je sais plus, mais je crois qu'on était à peu près jour 700 et quelques. Là, on est jour 843, c'est un truc de zinzin. Oh là là, comment on se met Gucci, on a 3 boîtes de shaker remplies de poudre à canon. Ah, ah, ah. J'espère qu'on va avoir au moins un stack de Nézérites. Allez, maintenant, on fait tout péter. Oh là là, faut que je me protège. Bon les gars, je suis vite fait passé par ma forteresse du Nether, me demandez pas pourquoi je suis là. J'ai récupéré un crâne de Wither Squelette, c'est franchement stylé. Bon, notre récolte s'avère plutôt efficace, j'ai réussi à récolter un stack et demi de débris antiques. Bon, on va faire cuire tout ça, et en attendant, j'ai un petit truc à régler. Et je pense que vous savez de quoi je parle dès que je me dirige vers là-bas, c'est bien évidemment l'erreur de la lave. Donc on va bien évidemment venir l'enlever. Et ce stack et demi de fragments de Netherite, ça va me donner combien de lingots de Netherite? 23. Oh là 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 là. Ce qui va nous permettre de faire deux autres blocs de Netherite. C'est littéralement incroyable, les gars. On peut donc s'offrir le luxe d'aller poser ces deux nouveaux blocs. Ça va être long. Très très long. Bon, comme chaque build, on va devoir récupérer des matériaux. Et cette fois-ci, j'ai été méthodique. Regardez les feuilles que je me suis faites. Ouais, je crois que je commence à devenir fou. Bon, alors, premièrement, vu qu'on va utiliser vraiment pas mal de béton pour ce projet, il va falloir qu'on cherche naturellement de la teinture. Alors on aura besoin de teinture marron. On aura donc besoin de teinture marron, de teinture verte ainsi que de teinture vert clair. Bon alors premièrement pour la teinture marron, on a besoin d'aller dans une jungle. Et je sais que proche de mon temple de l'eau, eh ben il y a une jungle. Je sais pas si vous vous souvenez du perroquet qu'on avait adopté, si on le trouve c'est vraiment incroyable. Bon alors si pendant le tournage vous entendez des gros bruits, c'est qu'il y a des travaux en dehors de chez moi. Parce que oui, avant tout, je ne suis pas qu'un personnage Minecraft, je suis bien un humain. Venez me suivre sur Twitter du coup. Oh mon pote, mais non. On a retrouvé Ricardo, incroyable. Coucou toi, ça veut quoi? Oh là là, incroyable. Oh, si je peux le ramener à la maison, je suis refait. Et en plus, il y a du cacao derrière moi. C'est tellement magnifique. Bon alors, prochain ingrédient, on a besoin de cactus. Cependant, je n'ai absolument croisé aucun désert depuis le début de mon aventure. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Ah si, 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 qu'est-ce que je raconte? Oh là là, comment je suis en train de vous mentir. Bon, on a été obligé d'abandonner notre pote. On reviendra un autre jour pour le chercher. Mais là, c'est pas la priorité. Merde, on me voit pas. Oh, comment c'est carré le monde? Oh non, il y a eu un problème là. Non. Ah mais je crois que c'est quand j'ai fait la mise à jour en 1.19. Ah non, il a pas assumé le monde. Hein. On va vite s'en aller. Allez, hein. On va vite s'en aller, on fait genre on a rien vu genre. Alors bon, pour avoir la teinture verte, il me semble qu'il faut faire brûler le cactus, ouais je crois que c'est ça. Et pour la teinture brun, il suffit de transformer les graines de fèves en teinture marron. Maintenant, on a juste à crafter les bétons respectifs. Parfait, ça, ça nous suffit. Oui, ça nous suffit parce qu'on a un duplicateur à sable. Vous allez voir un peu plus tard, c'est trop stylé. Mais bon, surprenamment, on a aussi besoin de pas mal de bois, notamment 4 stacks de bûches normales, ainsi que 6 stacks et demi de bûches sombres. Bon, bah, c'est parti, hein. Bon, ici, ce qui est cool, c'est qu'on a commencé une déforestation. Au moins, on va pouvoir finir le travail. Bon voilà, j'en ai récolté un peu plus que 4 stacks, mais ça, on s'en fout, c'est un peu mon côté crazy crazy, tu vois. Et maintenant, allons chercher du bois noir. Oh ouais, non, là, c'est trop. Oh mon monde, comment il est corrompu. Les gars, aidez-moi, s'il vous plaît. Bon, bah, let's gong. Bon, bien évidemment, la partie la plus intéressante, la plus satisfaisante, c'est transformer les bûches en planches. Attention, oh là là, oh là là. Oh là là, comment c'est satisfaisant. Je n'ai plus de place, un plaisir en tout cas. Maintenant, il nous reste juste à mettre le béton juste ici, à lancer la machine, en priant qu'elle fonctionne, très bien. Et maintenant, on attend pendant quelques minutes, enfin, quelques dizaines de minutes, je dirais. Bon, voilà, normalement, on a ce qu'il faut. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre le sable brun et rebelote. On va encore attendre une petite heure, je crois. Bon, voilà, ça y est, on a tout le béton. Je veux aussi transformer à peu près la moitié de chaque béton en béton normal, parce que là, c'est du béton en poudre, en l'occurrence. Mais il y a une petite machine qui existe pour transformer ce béton plus rapidement. Laissez-moi la construire.
Alors bon, la machine est assez simple, on remplit ce coffre avec du béton marron en poudre, on en garde bien évidemment en main, et normalement, j'ai bien dit normalement, si on fait clic droit et clic gauche en même temps, c'est censé fonctionner. Oh, c'est incroyable! Oh, c'est incroyable! Et là, normalement, si j'arrête, je peux regarder dans le coffre, oh là là, mon béton est prêt, c'est magnifique. Vous aimez bien ça, on va jouer au jeu de la disparition. Au début, ça ressemble à ça, et après, ça ressemble à... Bon, ça y est, j'ai tout transformé en béton dur. J'ai clairement mal aux doigts. Là, c'est terrible ce qui se passe. Il faut pas trop que je m'acharne sur mon sort parce que va falloir que je les place, ces blocs. Certes, je les ai minés, mais va falloir que je les place. Et d'ailleurs, regardez l'état de ma pioche en netherite. On va aller réparer tout ça. Bon, bah maintenant, la mission est simple. Il faut trouver la place pour caler un gros bloc de quasi 50 blocs de large. Personnellement, j'aurais pensé peut-être au-dessus de cette montagne. Bon, par contre, monsieur Lan, je suis désolé. Hein. Fermez vos yeux, les gars. Tu as besoin de décéder. Merci à toi. Bon, alors maintenant, go aplanir tout ça. Parce que un gros bloc de 50 blocs, eh bah, ça prend la place, mine de rien. Ouais, ça va être long, mais d'abord, avant toute chose, il faut que je délimite la zone. Bon, voilà la taille du cube. ouais, j'ai clairement pas assez détruit. Il faut que je fasse encore un peu de boulot. Oh là là, mais il va être... ça va être énorme. Hein. Quand je vous ai dit que ça va être le plus gros cube du monde, j'ai vraiment pas abusé. Hein. J'ai vraiment pas abusé. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer au jeu de la disparition. Donc, au début, l'espace où on va construire ressemble à ça. Et après, il ressemble à ça. Bon, alors, vous me connaissez. Moi, je trouve ça extrêmement moche. J'ai besoin de faire quelques ajustements. Et notamment, là, il y a quelque chose à faire. Il faut que je rapetisse un peu ce côté pour pouvoir faire respirer un peu le carré. Parce que si là il y a une grosse montagne qui colle notre cube, ça va vraiment pas faire joli. D'ailleurs, toi, je t'ai vu. Et voilà, mon ref. Bon, alors, je suis pas con non plus. Je vais aussi prendre un beacon. Hein, parce que franchement, on dirait pas dans la timelapse, mais c'était vraiment long ce que vous venez de voir. Hein. Oui, bon, bah, il y a eux aussi qui me simplifient pas la tâche, hein. Oui, bah, moi aussi, je suis débile aussi d'avoir commencé mon build juste à côté d'un pillager outpost, là. Ah oui, d'ailleurs, j'ai aussi envie de me taper un petit kiff. Je vais remplacer, là, tout le sol par du béton noir. Me posez pas la question, hein, ça sert absolument à rien. Mais j'en ai envie. Je sais pas pourquoi, c'est plus fort que moi, désolé. Bon, on va bien évidemment venir mouiller tout ça, c'est parti. Je sais pas les gars, c'est bizarre, ça me rappelle quelque chose, genre trop bizarre, j'ai l'impression d'avoir fait ça genre il y a 2 semaines par tout hasard. Ok, le Minecraft commence à péter un câble là. Hein. Bon alors premièrement, faut qu'on enlève ce mur là et qu'on réajuste la cobble jusqu'à ici, donc c'est parti. Ouais, vous savez quoi, on va faire ça en jeu de la disparition. Donc au début ça ressemble à ça, et après ça ressemble à ça. Bon bah maintenant il suffit d'aplatir, enfin vous voyez, donner une forme plus naturelle à la montagne, parce que là on dirait que mon monde est absolument totalement corrompu. Et je peux vous dire que j'ai voyagé un peu aux alentours de ma base et c'est un désastre. Bon voilà, normalement la montagne ça fait un peu plus réaliste. Bon, ça sera encore plus réaliste dès que l'herbe aura poussé, logiquement. Ah oui mince, j'ai mouillé le béton qui était à l'air libre, mais forcément le béton qui était sous le beacon c'était un peu plus compliqué. Bon alors il y a une question que je me pose. Ah ouais, pour moi la question elle est carrément existentielle, c'est est-ce que je peux du coup mouiller tout ce carré avec un seul seau d'eau. Attendez, faut que j'essaie de trouver le milieu déjà. Ok, ça m'a l'air d'être ici, attention. Et non, petit malaise, il reste les 4 points. Bon bah maintenant tout est prêt, j'ai pris quelques blocs de mon inventaire, je pense qu'on peut y aller. Bon alors commençons avec les pixels du bas, par le premier pixel, hein. On va pas commencer par le dernier, ce serait dommage. Donc chaque pixel, je vais les faire 3 de large. Premier pixel, j'en mets 3, hop là, qui correspondent à la couleur. Ensuite le prochain, j'en mets encore 3. Celui d'après, encore 3, etc. Et normalement, si tout va bien, hop là, ça se complète. C'est parfait! Donc voilà la base du carré. Ouais, quand on voit ça, franchement, ça va être vraiment pas mal grand. Parce que d'ailleurs, certes, le pixel, je le fais 3 de long. Mais je vais bien évidemment le faire 3 de large. Donc, on va bien évidemment venir l'agrandir à chaque fois. Ah, bon, ouais. Et d'autant plus que lui, il faut faire attention. Faut pas le tuer parce que forcément, il a une genre de pancarte. Et si je le tue, eh ben, ça déclenche un raid dans ma base.
je fasse encore 16 fois ça pour faire uniquement la première face. Sachant que un cube, ça a 4 faces, enfin 5 avec celle du haut, je suis vraiment dans la merde. Ça va prendre vraiment pas mal de temps. Mais bon, quand on aime, on compte pas, écoutez. Ouais, c'est ça, c'est ma philosophie de vie, ouais. Donc voilà, on continue avec la rangée du haut. Ça, c'est un moyen clair, ensuite un plus foncé encore une fois. Cette fois-ci, c'est un le plus foncé possible, ensuite le plus clair. Bref, faut que je me concentre un peu, les gars. On se reprend dès que j'ai fini la deuxième rangée. Et voilà, donc la deuxième rangée de pixels est faite. Mais bon, les gars, je vous connais, je sais que vous adorez les timelapses. Donc, petite timelapse de la première partie du bloc. Allez, les gars, envoyez-moi de la force parce que là, j'en aurais besoin. Bon, voilà, la partie terre est finie, mais je pense que, comme vous avez pu le voir, il manque une petite partie juste en haut, et il s'agit bien évidemment de la partie herbe, donc je vais m'empresser d'aller chercher les blocs qui correspondent à l'herbe et de finir cette partie. Ah bah voilà, c'est quand même mieux comme ça, on est d'accord, non? Ouais, c'est pas mal, moi j'aime bien. Bon, vu que vous aimez bien jouer au jeu de la disparition, je sais que vous l'aimez, on va y jouer. Pour cette fois-ci, au début, ça ressemble à ça, et après, ça ressemble à ça. Franchement, ça commence à prendre de la gueule, hein. Et aussi, ça commence à prendre de la forme, ça commence à prendre de la taille. Bon, alors, il y a un truc qui me dégoûte au plus haut point, c'est ce tour de cobble-là que je vais m'empresser d'enlever, parce que j'ai envie de vomir dès que je le vois. Bon, allez, on perd pas le rythme. Faut continuer, les gars. Bon, voilà, j'ai fait les trois faces, maintenant il reste plus que la dernière face, on se décourage pas, c'est parti! Bon, ça y est, j'ai fini, c'est incroyable, mais c'est pas encore terminé. Évidemment, il y a tout le toit, enfin la face du haut quoi, à faire. Mais le problème c'est que regardez, dès que je mette du sable, enfin du gravier, et bah ça tombe. Donc du coup ça veut dire qu'il faut que je mette toute une couche de terre. Mais sauf que j'ai décidé de changer mon plan. Regardez, je vais insérer l'image du bloc que j'aimerais construire. Et regardez le dessus comme il est peu détaillé. C'est à dire que les verts sont tellement peu différents. Oh, regardez, comparé au brun, on voit qu'il y a 4 couleurs différentes. Alors que les verts, c'est un peu hésitant. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais faire comme la construction de l'end. Je vais faire un effet avec des vitres vertes. Sauf que déjà de 1, les vitres vertes je les ai pas. Et de 2, il en faut absolument énormément pour couvrir tout le toit. D'ailleurs, je vais en faire 5 couches, donc j'ai calculé, il m'en faut à peu près genre 10 000, un truc comme ça. Donc du coup, bah, on n'a pas du tout fini, il faut que j'aille chercher tout ça. Ah oui, mais avant de faire ça, les gars, je me rends compte qu'à l'intérieur de ce bloc, et bah du coup, on a énormément de place. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une petite idée de build que je pourrais faire là-dedans. Moi, j'aurais peut-être une petite idée, mais après, si je vois de meilleures idées dans les commentaires, je n'hésiterai pas à prendre vos idées. Oh là 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 là, regardez la taille du bloc. Regardez comparé à la montagne ou comparé à la taille du Pillager Outpost. Oh ouais, non, il est énorme. Dites-vous, il est 50 fois plus gros qu'un bloc de dirt normal. C'est un truc de fou. Bon, les gars, je viens d'apprendre ce que j'ai besoin pour faire tout ce verre que j'aurais besoin. Je me répète, c'est affreux. J'ai besoin de 24 stacks de cactus et 7 shulkers et demi de sable. Ouais, carrément. Une ferme à cactus, c'est vraiment, vraiment relou à fabriquer. Je pense que je vais aller détruire du cactus pendant des heures et des heures dans un désert. Hein. Ah, let's go. J'arrive dans le désert de Herobrine. Ça va, mon monde, il a pas trop souffert dans le désert. Bon, vous voyez tout ce cactus? Dans 4 heures pour moi, il n'y en aura plus. Et pour vous, dans, allez, quelques secondes, il n'y en aura plus. Allez, souhaitez ma bonne chance. J'ai envie de décéder. Allez, plus que 2 cactus. J'en ai trop. Comment j'en ai marre, y a plus de cactus là, y a plus de cactus dans le désert, ça y est, j'ai tout, en plus j'ai trouvé du, j'ai trouvé n'importe quoi, hein. J'ai trouvé du gold, j'ai trouvé des diamants, j'ai trouvé tout ça de bottes de page et toute ma botte de shulker remplie de cactus, oui bon, les bottes de page j'ai trouvé grâce au village. Maintenant, on rentre à la maison, ça fait trop longtemps là, d'ailleurs on est le jour 906, bon bah du coup maintenant il faut faire cuire tout ce cactus, ça aussi ça va prendre une plombe. Et bon, pendant que ça cuit, je pense que je vais aller au duplicateur à sable pour me permettre d'avoir le sable qu'il me faut pour crafter des vitres. Alors il
m'en fous à peu près, je dirais 7 stacks, un truc comme ça, parce que j'en ai déjà à la maison. Et franchement, il nous aurait été vraiment pas mal utile ce duplicataire à sable au final. On lance les machines, on voit que ça marche tout bien, et on y va. Bon bah, à tout à l'heure les guys. Bon, on a carrément beaucoup trop, on va ramener tout ça à la maison. Je crains même qu'on ait pas assez de place dans les shulker box, franchement, ça serait drôle. Et effectivement, je crois que j'ai pas assez de place dans mes shulker box. Je vais être carrément obligé d'en laisser un peu dans l'aine. Bon, c'est pas grave, tant pis, il y a des coffres pour le stockage. Bon, ça m'a pris énormément de temps. Je vais récupérer le verre qui me reste pour remplir cette shulker box. Et bah maintenant, faut craft le verre tout simplement. Souhaitez ma bonne chance, ça va prendre aussi une petite dizaine. Dernier bloc, oh là là, c'était si long et si court à la fois, c'était trop bizarre ce projet. Ah, j'ai raté mon bloc, un plaisir. Ah oui, regardez les gars ce que j'ai téléchargé, j'ai mis un pack de textures qui transforme les anciens débris en bleu. Donc, du coup, c'est 12 fois plus visible dans le nether et je pense qu'on va en trouver beaucoup plus que les dernières fois parce que le brun et le rouge un peu sombre comme ça du nether, ça se confond plutôt pas mal. Attention, ça va péter. Oh, des barres, ça va péter tout, le paix, le prot, etc. Bon, j'arrête. Bon, on s'en sort avec 2 stacks et 5 autres fragments de netherite, c'est absolument gigantesque. Mais vraiment les gars, premier degré, je crois que c'est vraiment le pack de textures qui m'a aidé à voir les anciens débris qui se cachaient parce qu'il y en a vraiment que je ne voyais pas si j'avais pas le pack. Bref, je sais pas si vous avez compris, mais bon, on va prendre les autres fragments de netherite qui nous attendent dans le coffre. J'espère qu'on va pouvoir faire au moins les 3 blocs de netherite, ce serait vraiment dingue. Mais je pense que c'est faisable, vu la quantité d'anciens débris que j'ai là, je suis confiant. Ouais, 39 lingots de netherite, je pense qu'on peut même en faire 4. Oh là là. C'est magnifique. 4 blocs de netherite. Là, ça va vraiment, vraiment bien nous avancer dans le beacon. Et attention, oh, on va pouvoir finir la ligne. Oh là là, c'est magnifique. Bon, bah, maintenant, il va falloir attaquer la troisième ligne. On a vraiment pas fini, hein, ça, je vous le dis, hein, les gars. Et bon, il y a aussi un autre caprice de gosse que j'aimerais assouvir, c'est retourner level 100. Parce que franchement, être level 70, c'est vraiment nul. Bon, je pense que vous êtes pas débiles, vous avez compris que notre build va se passer dans l'end. Et donc du coup, évidemment, vu qu'on va faire un beau build dans l'end, ce serait dommage de le détruire par exemple en respawnant un dragon. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va battre 18 fois l'ender dragon, oui, vous avez bien entendu, 18 fois, pour activer tous les autres portails. D'ailleurs, j'en ai déjà 2 qui sont activés, un là-bas et un là-bas. Et donc du coup, ces portails, normalement, ils feront un peu partie de mon build. Enfin, vous verrez, ça va être stylé. Et donc du coup, pour faire respawn un dragon de l'end, il faut du coup 4 cristaux de l'end. Et vu qu'on va faire respawn 18 fois le dragon, il nous faudra du coup 72 cristaux de l'end. Donc ça veut dire 72 œils de l'ender et 72 larmes de ghast. Bon, le vert, ça devrait le faire. Mais bon, les larmes de ghast, je n'ai que 6, ça on s'en occupe après. Ce qu'on va faire là, c'est les œils de l'ender. Et ces œils de l'ender, on peut tout simplement les choper. Ah, ma farm à Enderman, regardez tout ce qu'il y a. Regardez. Hop là, c'est bon. J'ai rempli mon inventaire, ça fait trop de bruit. On se casse. Alors voilà, on a nos 72 œufs de l'ender. Mais là, ce qui va être lourd, c'est les larmes de ghast. Ah bah voilà. Voilà notre premier candidat. Oh, on l'a one-shot le pauvre. Donc du coup, ça nous fait, oh, une larme de ghast. Bon bah maintenant, petit montage, hein. Souhaitez-moi bonne chance, les amis. Bon, ça y est, j'ai mes larmes de ghast, c'était très long. Bon, bah maintenant il s'agit juste d'aller battre l'Ender Dragon sans mourir. Sauf que j'ai un petit problème. Bah déjà de 1, j'ai plus de totem d'immortalité. Là, je n'arrête pas de les consommer depuis tout à l'heure. Donc du coup, ce qu'on va s'en aller faire, c'est aller faire un petit raid pour aller récupérer quelques totems d'immortalité. Bon bah let's go, c'est parti. Oh la sorcière. Pouf. Oh my god, mais comment on la chitonne. Ah voilà, lui, c'est celui qui m'intéresse là. Viens là. Ouh, là c'est intéressant là. Là il y en a 3 en plus. Ceux avec les totems, c'est magnifique. Viens ici arc-boutier. Bon, au moins on a récupéré pas mal de totems. Bon alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais prendre pas mal de flèches. Parce que le dragon, la plupart du temps, je pense qu'on va essayer de le toucher avec des flèches, c'est logique. Go tuer 18 Ender Dragons, ça va être si long, mais ça va être si jouissif. En vrai, regardons. On est niveau 104 avant de battre les 18 dragons. Et on verra quel niveau on sera. Normalement, un dragon, ça donne pas mal. Attention, le premier d'une longue série. Donc on doit placer les cristaux juste ici. Et hop là. Oh my god, le dragon respawn. Bon, bien évidemment, on doit attendre que tous les cristaux respawn. Ça casse.
Voilà, ça va être parce que le prochain projet, ce sera de détruire tous les piliers d'obsidienne. Donc du coup, là, ça fait déjà mon boulot. C'est bien. Oh, wow. Du calme, monsieur le dragon. Bon, allez, souhaitez-moi bonne chance, les garçons. Bon, là, je pense que vous savez comment ça fonctionne. On détruit les cristaux sans se tuer, bien évidemment. Ok, bon. Bah maintenant, hein, il faut le faire à la façon originale, c'est le tuer avec l'épée. Viens ici. Ok, dragon perch. Oh, comment on le slam. C'est terrible ce qui se passe. On le tape. Et il a disparu. Oh, je m'en fous. Je le finis avec la dernière flèche. Voilà. Non, quoi. Viens ici. De loin. Oh my god, mon aim. C'est bon. Normalement, ça a ouvert un troisième portail. C'est celui-là. Oh, magnifique. Bon, bah maintenant, go faire les 17 autres Ender Dragons. Hein. Souhaitez-moi bonne chance, les garçons. Et oui, vous avez visé juste, la prochaine étape, c'est de enlever ces piliers d'obsidienne. Bon, alors comme vous pouvez le voir, il y en a quelques-uns qui ont été un peu arrachés par le spawnage de l'Ender Dragon. Ça mange plutôt pas mal, parce que ça fait de l'obsidienne en moins minée, et ça c'est cool. Bon, alors évidemment, comment faire un gros projet sans installer nos 4 beacons habituels, hein, parce que franchement, miner l'obsidienne, c'est déjà long. Donc si on peut avoir l'effet rapidité de minage 2, ça peut être vraiment cool. Attendez, je mets juste en place les 4 beacons. Bon, évidemment aussi, vu qu'on va avoir des tonnes et des tonnes d'obsidienne, il va falloir mettre en place quelques petits coffres. Bon, là j'en ai ramené 46, c'est carrément trop. Je pense franchement que 9 double coffres, ça devrait faire le taf. Bon, bah après je pense que vous comprenez le concept, hein. Il faut tout miner et ça va être long, très très long. Regardez comment c'est long. Oh là là, souhaitez-moi bonne chance. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à tout enlever. Bon, alors évidemment, le pilier continue à descendre jusqu'à même à la couche 0. Hein, on va pas s'emmerder à tout détruire, ça serait beaucoup trop long. Déjà, là, ça fait plus d'une heure que je suis dessus. Je vais tout simplement boucher ça, voilà. On referme un peu ici, et c'est parfait, ni vu ni connu, on dirait qu'il y a eu zéro pilier. Et vous savez quoi, on va jouer au jeu de la disparition, hein, ça faisait longtemps qu'on n'y a pas joué. Donc du coup, on va le faire avec ce pylône. Donc, au début, le pylône ressemble à ça, et après, il ressemble à ça. Bon, alors là, on a deux poteaux qui ont déjà disparu, et franchement, ça rend plutôt pas mal. Bon, j'ai vu aussi le temps que ça m'a pris de faire deux petits poteaux. Je vous mens pas que là, je vois les gros poteaux arriver, je désespère un peu, mais on lâche pas. Le plus important, c'est de se dire que le dragon nous a quand même bien aidé en enlevant ces poteaux-là. D'ailleurs, regardez ce qu'on a déjà récupéré en obsidienne, c'est quand même fou. Mais bon, je pense que les 9 double coffres, ça devrait faire le taf. Bon les gars, là j'ai l'impression qu'on fait zéro progrès, j'en ai marre, on va accélérer le rythme. Je vais descendre ces 4 piliers en un rien de temps, et après il nous restera encore 4 piliers. C'est parti! Ça y est les gars, nous y sommes. Nous sommes jour 999 et le soleil se lève pour la millième fois. Et en effet les gars, on va passer les 1000 jours ensemble. Oh là là, c'est dinguerie. Attention, vous êtes prêts? Regardez le compteur juste à gauche de mon skin. Attention, jour 999. Et... ça y est, on est jour 1000. Oh là 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 là, c'est incroyable. Ça fait 1000 jours. 1000 jours que je joue à ce jeu. Bon, pas dans la vraie vie évidemment, sur Minecraft. Et voilà, on est jour 1000 sur Minecraft, c'est
incroyable. Bon, quoi faire à part vous dire, ouais, c'est incroyable, on a vécu 1000 jours. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un monument en l'occasion des 1000 jours. Et vu que je vous avais posé la question dans le dernier épisode de savoir ce qu'on allait construire là-dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un monument des 1000 jours. Donc, du coup, j'ai récupéré un petit bloc de terre avec ma pioche touchée de soie pour pouvoir poser ce bloc, le bloc qui représente mieux Minecraft, le bloc qui représente mieux ma survie, en plein milieu de son frère jumeau qui est absolument beaucoup trop grand. Si jamais on a oublié, on va appeler ça monument des 1000 jours. Voilà, jour sans S, très bien. Bien évidemment, les gars, je rigole, j'ai pris en compte toutes vos idées dans la dernière vidéo. Vous inquiétez pas, j'ai une petite idée pour ce qu'on peut construire à l'intérieur de ce bloc. Bon oui, j'ai aussi oublié de vous dire que j'ai cassé les 4 autres pylônes. C'était quand même vachement long, hein. On va pas se mentir, c'était quand même vachement long, ça m'a pris 2 heures chacun. Donc vous faites calcul, ça fait 8 heures pour 4 pylônes, c'est quand même pas mal. Donc ça veut dire que la timelapse que vous avez regardée juste avant, ça m'a pris 8 heures. Et donc bah je vais éviter de vous emmerder avec les 4 autres pylônes, de toute façon je pense que vous connaissez le tralala. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer au jeu de la disparition, parce que c'est bien évidemment super satisfaisant. Donc au début, les pylônes ressemblent à ça, et après, ils ressemblent à ça. Bon bah voilà, c'est tout vidé. Je vais pas vous mentir, l'aine ça fait un peu vide quand même, hein. Bon, on s'est quand même débrouillé pour récupérer 5 double coffres d'obsidienne. Mais bon, on n'a pas totalement fini de vider un peu l'end. Vous voyez ces petits bouts de bedrock qui flottent là? C'est un peu moche, hein, on va pas se mentir. Et en plus, en fait, ça va m'embêter pour le build qu'on va faire. Apparemment, ce bloc est incassable. Ouais, c'est ça. Moi, je vais le casser, vous allez voir. Laissez-moi récupérer quelques petits matériaux. Maintenant, imaginons que vous vouliez casser ce bout de bedrock. Il vous suffit de placer un piston, une TNT par-dessus, un bout d'obsidienne à côté du piston, un bloc dur, enfin un bloc aléatoire juste au-dessus de l'obsidienne, une TNT au-dessus de ce bloc, un levier sur le bloc dur au-dessus de l'obsidienne, une petite trappe d'or, on prend le piston en main, on active le levier, on baisse la trappe d'or, on reste appuyé ici, et on casse ce totem, et on n'y arrive pas. Un plaisir en tout cas. Bon, réessayons. On active... Oh là là, j'ai raté. On réessaye. Ah, voilà! Let's go! Oh là là, c'est magnifique. C'est incroyable cette technique. Maintenant, on a juste à casser le piston ainsi que l'obsidienne. Et voilà, on n'a plus rien. Oh là là, c'est magnifique. Bon bah, go refaire ça pour tous les petits bouts d'obsidienne qui veulent, hein. C'est parti! Bon, ça y est, c'est tout nettoyé. Franchement, ça m'a pris beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'essais que je pensais. Franchement, ça a été plutôt long. Mais bon, au moins maintenant, on a un ciel tout dégagé. On peut faire notre build tranquillement. Et bon, du coup, j'ai pu réfléchir au build qu'on peut faire. Et je me dis quand même que les Endermen m'ont pas mal emmerdé pendant cette vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des statues en leur honneur. On va honorer des gens qui nous emmerdent. Eh, on est en Corée du Nord ou quoi? Bon, les gars, je vais disparaître dans 2 jours. La Corée du Nord va me retrouver. Et donc, du coup, pour faire ces Endermen, quoi de mieux qu'utiliser de l'obsidienne qu'on a mis juste avant pour les faire. En gros, on va utiliser l'obsidienne qu'on a retiré juste avant. Bon, alors, j'ai de la chance, les Enderman, c'est des mobs pas trop détaillés, donc ça risque normalement pas d'être trop compliqué de pouvoir le build. Bon, alors, j'ai calculé, normalement, si je garde toutes les proportions... Alors, ça, normalement, c'est ça... première jambe, donc son pied, et ensuite il me semble que ça c'est son deuxième pied. Et alors, si on garde toutes les proportions, ses jambes sont censées faire 20 blocs de long, 17, 18, 19, 20. Voilà, donc ça c'est censé être la hauteur des jambes de l'Enderman, donc vous allez voir quand même, ça va être plutôt pas mal grand. Et donc du coup, bah on fait ça pour les deux jambes. Bon, voilà la tête des jambes de l'Enderman, donc si on calcule bien, l'Enderman devrait être encore 2 fois plus grand, parce que oui, bien évidemment, un Enderman c'est pas que des jambes, c'est aussi un buste et une tête. Bon, voici l'épaisseur du buste. Maintenant, faut que ce dernier monte encore à 12 blocs de hauteur. Parfait. Et bah voilà, maintenant faut le refermer tout simplement. Bon, maintenant il faut faire les bras. Alors il me semble que les bras font la même taille que les jambes, donc à nouveau 20 blocs. Voilà. Ah, c'est stylé, n'empêche. Et en vrai, il va être pas mal grand. Hein. Oh, ça va être trop bien. Bon, alors j'ai fait les bras tendus comme ça. Bon, vous inquiétez pas, c'est normal. Vous verrez ça un peu plus tard dans la vidéo. Bon, maintenant passons à la pseudo dernière étape de l'Enderman, faire sa tête. Alors normalement, sa tête c'est un bloc de 8 blocs sur 8 blocs. On n'oublie pas de mettre les petits. Petits yeux. Ah voilà. Comme il est beau gosse. Et on finit par fermer la tête. Ah là 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 là, il est magnifique. Mais bon, je trouve que sa tête est un peu nue. Et en mémoire d'un joueur Minecraft qui est décédé il y a quelques temps, Technoblade, je vais pouvoir lui faire une petite couronne. J'ai donc au préalable préparé quelques petits blocs de béton pour pouvoir faire sa petite couronne. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il est magnifique. Imaginez que les 3 autres là, ça va être trop stylé. Bon les gars, on accélère le processus ou pas? Allez, on accélère le processus. Bon, ils sont BG là, mes deux Endermen. Je pense que ce serait cool d'encore accélérer le processus. Donc on va jouer au jeu de la disparition que vous aimez tant. Donc du coup, les deux prochains Enderman, ça ressemble à ça.
Et après, ça ressemble à ça. Bon, ça y est, on a fini. Oh là là là, comment ils sont beaux ces Enderman. Bon là, vu qu'ils ont les bras tendus, on dirait qu'ils sont juste adeptes d'un culte très étrange. Mais vous inquiétez pas, comme dit avant, c'est fait exprès. Mais franchement, là, j'arrive toujours pas à m'en mettre. Ils sont trop stylés mes Enderman. Attention, MLG. Oh, je suis trop puissant. Et bon, pour la dernière partie du projet, il va nous falloir pas mal de matériaux. Comme 15 stacks de basalte. Bon là, en l'occurrence, on en a que 7. Il faut qu'on aille en miner dans le Nether. Bon voilà, j'ai pris 16 stacks de basalte, comme ça on est sûr. Bon attendez, j'ai oublié aussi de le transformer, parce que moi je veux pas du basalte simple, je veux du basalte poli. Excusez-moi d'être exigeant les gars, enfin. Il me faut aussi du coup 4 stacks d'escaliers en ardoise, 2 stacks de dalles, bon là j'en ai fait 3 mais bon c'est pour la route, 4 stacks de verre, 16 seaux de lave, j'ai de la chance j'en ai un peu en rab, ainsi que 16 feux de camp. Donc du coup ce qu'on va faire c'est que dans les mains de chaque Enderman, on va faire un grand pylône. En fait, on va faire une genre de torche. On va faire en sorte qu'il tienne une torche. Vous allez voir, ça va être vachement stylé. Bon, alors maintenant, je dois faire un pylône bien cadré qui monte jusqu'aux mains de cet Enderman. Ok, c'est parfait. On refait ça 4 fois du coup. Parfait. Bon, en bas, on n'oublie pas de faire une petite finition parce que sinon, ça fait trop cru en fait, directement dans le sol. Donc, on va mettre une petite base comme ça. Sur ces pylônes, on va y poser les feux de camp. Bon, maintenant, on refait la même chose juste ici. On le reproduit juste ici encore. On vient mettre des petites pointes de basalte à chaque côté. On recouvre le feu de camp avec du verre. On met nos 4 sources de lave juste ici. Oh là là, ça fume bien, ça fait exactement l'effet que je veux, c'est trop bien. On recouvre ça avec des escaliers. Bon, on évite de faire un imp, évidemment. Et ensuite, on casse juste ici pour refaire sortir la petite fumée. Bon, bah voilà, moi, je trouve ça cool. Peut-être que la longue tige là c'est un peu vide, mais je sais vraiment pas quoi mettre genre. Attendez, je vais vite fait l'enlever pour voir ce que ça donne. Ah mais effectivement ça rend bien mieux en fait. Ouais ça rend mieux, vraiment. Attendez, je vais faire ça sur les autres Enderman, mais je pense que ça rend vraiment beaucoup mieux genre. Bon voilà, ça y est, tous les Enderman sont faits. Maintenant l'end ça fait un peu vide. Mais après avoir battu l'Ender Dragon 18 fois, c'est pas anodin. Le fait d'avoir laissé tous ces petits portails, ça va servir pour un prochain build. Évidemment que je vais faire un beaucoup plus gros projet sur cette île. Bon, déjà de 1, merci aux vaillants qui auront regardé toute la vidéo en entière. Je crois qu'au final, elle fait plus de 4 heures. Vous êtes vraiment des boss. Et donc, pour vous remercier, je vais bien évidemment mettre la sauvegarde du monde en description. Et bah, ceux qui ont sauté la vidéo jusqu'à ce moment-là, pour ne regarder aucune seconde de la vidéo, je vous déteste à tout jamais. Vous avez niqué mon watch time. Sur ce, amusez-vous bien sur la survie. N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, Insta pour voir mes petites têtes, sur Twitter pour voir mes conneries. On se retrouve très bientôt, et vous inquiétez pas, je vais arriver avec du lourd, de toute façon je vais pas trop vous spoil. Je vous fais des gros bisous, c'était Victor, peace!